Ça, c'est mon grand frère Nzaloza, peur, peur à son âme. Bonsoir à toute la famille Nangé Boko. Bonsoir, bonsoir la famille de la Coco Gang. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bipé les voisins. Dans le zapper, un des meilleurs artistes de Mikouti, originaire de Nangaï Boko. Ça, c'est mon grand frère, perd son âme. Vous aimez? Ça, c'est votre fofo de la Coco Gang. Papi, ok, va chercher le brassard. Mal à faire du brassard, si. Vous savez, la danse de chez moi, c'est une danse élégante. On fait ça. Bon, elle va chercher le brassard. Bipé les voisins, partagez, partagez, partagez. Je pense que nous allons nommer notre chaîne de télévision le Phoenix TV by Coco Lavo. Oui, c'est ça. Vous signalez, on revient. Vous tuez, on renaît les sangs. Hora. Papi, je suis là. Ne vous inquiétez jamais. Si vous cherchez la page et que vous ne la voyez pas, ne vous inquiétez pas. Créer une page sur Facebook, c'est facile. C'est comme créer un faux profil. C'est-à-dire, tu crées un mail, tu crées ton compte, et après, tu crées une page. Tu peux créer autant de pages que tu veux sur Facebook. Bon, maintenant, si tu veux que la page soit importante et intéressante, comme ce que nous aimerons que ces pages deviennent, il faut la booster. Il faut acheter les étoiles, passer les autres en face. Quand vous voyez, ouais, ils disent, ouais, on a 3000 abonnés, tu vois, on a 3000 personnes connectées. Non, ils achètent les abonnés. Voilà. Madame Mou, Manaba. Bipez les voisins. Cette couleur me va, j'ai osé, hein. Bipez mon coco argenté, ce sont ces looks, ça. Lago Galactique. Alors, il faut que tu nous mettes une perruque comme ça. Tu nous cherches une tenue cette couleur là pour ton prochain spectacle avec des beaux. Là, tu vas tuer tout le monde. Diane Fena, les gens te trompent sur les. Et c'est ça les réseaux sociaux. Maman, si on me trompe, c'est toi qu'on trompe. Mon frère, porte mon caleçon, ça tu sais. Et Wanda, hey. Mon frère, laisse les gens me tromper. J'aime ça. Même un signe de main.
Même signe de main. Et voilà, ça c'est notre frère, Zan le Zapper, parti très tôt, perd son âme. Voilà, je voulais vous faire écouter sa musique aujourd'hui. Parce qu'un bon artiste, même s'il est décédé, il nous laisse ses œuvres. Voilà. Ça c'est Binaro. De la musique à écouter, qu'on peut faire écouter à nos enfants, voilà, en leur expliquant que voilà, ce qu'il dit, c'est ça, le vin de palma fait que, le kpara fait ça, le kpara, on prépare le kpara comme ça, avec le maïs, le mungbayama fait comme ça là, et tout, ça c'est des choses, voilà, que même aux enfants, nos enfants qui sont nés ici en Bing, par exemple, moi, si bébé Ange, je l'amène au Cameroun, il dit que voilà, il dit que kpara, il dit que le kpara, c'est la boisson locale, on la prépare avec ceci, avec cela. Quand tu as dit à ton enfant, qu'est-ce que tu peux me chier? Lui-même, il éclate d'abord, parce que les enfants qui sont ici en Bing, là, est-ce que tu peux me chier? L'enfant éclate, nous, d'abord, comment on peut dire les choses comme ça? Les imimba. Je suis sur toi. Ta bande de généraux là, ils ne sont rien dans mon système. Tu as vu comment je les ai démolis en un temps record. Ça dit quand je suis venue ici, voilà, bonsoir à toute la famille. Bienvenue, ça c'est la nouvelle page. On va créer même 10 pages. Voilà. Ça dit, dès qu'on me... que vous cherchez là, vous ne voyez plus, ça veut dire qu'ils ont signalé. Eux, ils signalent parce qu'on est obligé de montrer ce qu'ils font. Ça veut dire que comme elle allait chercher ses généraux, il faut qu'on montre que ces généraux, leur travail, c'est dans la sexualité, c'est dans la prostitution, c'est dans le banditisme. On est obligé de présenter cela au public. Et du coup, quand on présente au public, eux, ils signalent. Et c'est pour ça que Facebook, c'est pas eux qui signalent ça. Je vous dis que la première page seulement a été piratée. Par là, c'est un profil même qu'on m'a envoyé du Cameroun. Parce que j'avais pas le temps de créer les comptes et tout. Une personne dont j'étais le nom m'a donné un profil. Et c'est ce profil-là qui a été piraté pour rentrer dans la page. Voilà. Donc, dès qu'ils sont rentrés dans la page, ils ont filmé, ils ont fait les vidéos de tout ce que vous avez vu là. Après, j'ai pu supprimer, c'est moi-même qui avais créé la page, donc j'ai pu supprimer tout le monde. Est-ce que depuis, ils vous ont encore montré, genre, ouais, on a accès à sa page, oui, on a piraté, ou machin, et tout. Vous voyez qu'ils n'ont plus rien. Voilà, donc c'est un profil qu'on m'avait donné depuis le Cameroun. Voilà. Donc, maintenant, les autres pages sont signalées parce que quand je présente un goué, je présente un goué. J'ai présenté l'autre jour qu'on ça, Ngwe et Coco l'autre font un ménage à croire. Voilà. Donc, du coup, ils ont signalé. On avait mis la vidéo que vous avez vue. Ils ont signalé. L'autre page, je vous montrais les images de Ngwe comme ça là que... On avait opéré, son derrière était parti se faire rafistoler. Fleur de Lille, ferme-la. Même ton derrière est rafistolé. Tu n'as pas honte. On t'a tellement bombardé le derrière que tu allais même faire courir ton derrière pour rafistoler. Maman, tu as entendu où que une fille va opérer son arrière-crin. Mais tu ne devrais même pas parler. Tu ne devrais pas parler. Maman, on te perd le derrière. Donc, devant là-bas, c'est seulement le tour. Ben oui, normal, ta copine. Ta copine, Lady Mimban, l'autoroute. Donc, maintenant, toi. Donc, devant, elle est tellement ouverte que tu as préféré aller rafistoler le derrière, comme tu as dit à péter. Tu n'as pas honte. Hein? Tu n'as pas honte. Prends les cours chez nos frères gays. Ils vont te dire comment est-ce que tu dois faire ta toilette, comment tu dois faire pour que le derrière là-bas soit toujours bien. Mais tu marches avec eux, ils ne te donnent pas les secrets. Toi, tu veux venir parler à une fille comme moi en public. Et tu penses que peut-être je vais m'occuper de toi et vous oublier mon problème. Je ne suis pas dans le clash. D'accord? Je ne suis pas dans le clash. Je revendique mes affaires qui ont été volées. Les diponces m'ont spolié de tout ce que j'ai pu gagner en France pendant 10 ans. Elle m'a volé. Voilà. Et vous maintenant, qui venez là, qui la soutenez, et tout, ça veut dire que vous encouragez le vol. Mais je vais vous dire quelque chose. J'ai dit ça tout à l'heure à maman Lisette. J'ai dit que maman, tu sais, il faut que je dise la vérité aux Camerounais. Il faut qu'à chaque fois que je commence un direct, je passe d'abord un message. Et c'est vrai. Je vais vous passer un message. J'ai 48 ans, je n'ai pas besoin de vous mentir. Moi, je ne suis pas Lady Mimbanke. Sa mère est morte en 81, elle est née en 84. Non, je suis née en 74. D'accord.
Ne collaborez jamais avec le diable. Ne faites jamais de mal. C'est-à-dire, ne vous alliez jamais à une personne qui veut faire du mal, qui veut détruire une autre personne. Parce que aujourd'hui, vous êtes à côté de cette personne pour détruire une autre personne, ou bien pour voler, ou pour ternir son image, ou pour lui faire du mal. Demain, cette personne vous fera la même chose. Vous me voyez aujourd'hui, moi j'ai pas honte. Ils essaient de me museler pour que je parle pas. Mais non, je suis en mission. C'est le Seigneur qui m'a sauvé la vie. Parce que je serais morte, mes frères et sœurs. Vous aurez appris qu'on est venu me couver, coucher, morte. Comme le frère de Lady Mimbara est mort là, avec les sans confiance aux pieds. Parce que j'ai collaboré avec ce démon. À cause d'elle, j'ai insulté les gens sur les réseaux sociaux, vous m'avez vu. J'ai fait des trucs, les vidéos, oh, je lave les caleçons, J'ai soutenu ces enfants. Vous savez ce que c'est que garder les enfants d'autrui ici en Europe, en plein Covid. Le Covid, peut-être vous là-bas au Cameroun, vous parlez parce que quand on parlait du Corona, oh, Corona était tout, vous viviez. Ici en France, on était enfermés pendant 7 mois. C'était la guerre, personne ne sortait. Mais c'est là que le fils de cette fille organise des fêtes à la maison. Il ramène les enfants d'autrui. Il y a les bagarres au couteau. Je me retrouve avec tout le quartier qui est réveillé à 2h, 3h du matin. Je me retrouve avec le Covid à la maison. Vous savez ce que c'est ici en France? J'aurais pu me retrouver en tol. J'ai eu des policiers. J'ai eu la BAC qui a débarqué. Vous savez ce que c'est? Vous parlez de quoi? Une femme ne peut pas autant mettre la vie des autres personnes en danger. Mais oui, mais je suis restée là pourquoi? Parce que je l'ai encouragée à cela. Mon propre ami qui m'a amené là-dedans est parti. Mais je me suis mise contre mon ami. Pourquoi? Parce que je défendais l'artiste. Parce que justement, j'étais comme vous. Dans ce truc-là que non, c'est une star, faut la défendre. Non, 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 une star est parfaite. Vous avez vu ce que j'ai fait? Personne d'entre vous n'a fait ce que moi j'ai fait. Je suis arrivée, j'ai trouvé que ces enfants dormaient par terre. Ces enfants n'avaient rien. J'ai fait venir mes propres affaires. Gagné à la sueur de mon front. Pour que ces enfants aient un confort. Pour que ces enfants soient bien. Ces enfants ont eu leur premier arbre de Noël. J'étais là pour elles. Je collaborais avec le diable. Je l'encourageais dans tous ces sales coups. J'étais là quand j'arrivais, mais comment? J'insultais, je faisais, j'écrivais les textes et tout, moi je n'ai jamais été. Les vidéos là, c'est les quelques vidéos que vous voyez là, c'est que quand Emmanuel fait la vidéo, j'envoie tout, mais moi c'est écrire. J'ai fait tout ça. Bonsoir Madi, bonsoir Valérie. Vous voyez ce qu'elle me fait aujourd'hui? Elle me fait même pire que ce qu'elle a fait aux autres. C'est vrai que à Cyclone, elle a volé, elle a ruiné. Elle a même voulu que le gars fasse vendre son immeuble à toutes les autres personnes. Elle a laissé cet amour avec 30 000 euros. Cet amour ne parle pas. Cet amour ne parle, excuse-moi ma soeur. 30 000 euros, c'est l'amour. Elle a pris 30 000 euros dans la tontine de cet amour jusqu'à aujourd'hui. C'est la faut sortir, tu racontes la vraie chose. Oui, j'étais aveugle par le statut de la pseudo-star. Et quelques écans m'ont téléphoné pour dire que... il faut garder ta soeur. Voyez maintenant. Vous êtes où aujourd'hui? Elle me vole, je ne vous vois pas. Donc vous êtes toujours dans le genre que c'est la star. Oui. Elle est star. C'est un être humain comme tout le monde. Moi-même, je suis une star dans mon domaine. Et moi, mon domaine, même mes plats peuvent être dans les musées partout dans le monde. Oui, je suis une artiste. Je suis une artiste. Je peux me mettre aujourd'hui le reine au fourlou fian, au fourlou. Hein, voilà qui est bonne. Mimbarmi qui est bonne. Mimbarmi qui est bonne. Mokoulou dia. On me met le beat. Taka tchoum, taka tchoum. Mimbarmi qui est bonne. Mimbarmi le dit ponce. Un wobour. On me met le beat et tout. J'entre en studio et je vous sors une chanson et je tourne et tout. J'ai les attentes naturelles. Et les gens vont me mettre. Hein? Je porte aussi la perruque rouge comme ça, vert et tout, le talon dans le cou. Et tout. Il fait. Ils aiment boire. Dites-moi un peu, est-ce que je n'ai pas le corps? Est-ce que je n'ai pas les atouts? Lady Mimba a opéré tout, opéré le nez, opéré tous les jours par la caca à gonfler, au mot et tout, ma mousse. Hein? Vicky, tu ris même quoi? Lady Mimba, maminga. Hein? Maminga, tu es siliconé de partout. Hein? Tu es refait de partout. C'est toi qui es dans la sorcellerie. C'est toi qui es dans la chirurgie. C'est toi qui es dans le mauvais cœur.
C'est toi qui es dans la sorcellerie. Mais attends un peu. Il faut que tu choisisses. Tu ne peux pas être dans tout. Donc, c'était pour vous dire que me voici devant vous en train de pleurer. Oh, mes mamies, de te dire caca, tu as te plaît. Parce que j'ai collaboré avec le diable. Donc, ne collaborez jamais avec le diable. Si vous aimez vraiment une personne, quand la personne fait quelque chose de pas bien, dites à cette personne que, maman, ce que tu fais là, papa, ne fais pas ça. Dites. Parce que si vous ne dites pas, on vous dit que, oh, quand tu vas mourir, tu vas brûler l'enfer. Tu manques l'enfer, c'est sur terre. Prenez mon exemple. Oui, je suis en train de vivre mon enfer là. Une personne peut te prendre tes affaires, les affaires de ton enfant, tes diplômes et tout et tout. Hein? Pourquoi? Parce que j'ai collaboré avec le diable. Et oui, elle avait déjà tellement attaqué les gens que elle pouvait plus attaquer les gens dehors. Il fallait que ça attaque à moi. Dieu merci, je suis devant vous aujourd'hui. Et je peux parler. Je serai morte. Et mes affaires sont parties à la place de ma vie. Prenez-le comme ça. Les gens qui ont l'intelligence spirituelle, ils vont vous expliquer que ce problème est un problème spirituel. Lady Ponce voulait me vendre. Allez, en langue bêtise, on dit que le con. Et à l'ouest, on dit que Moukwa. Mamie, elle voulait me vendre Moukwa. Amenak, Afisak, Imiwoya. Est-ce que vous m'entendez? Elle voulait me vendre. Mais ça a alors tombé que moi-même, j'étais une enfant des Écosses. Oui. Mon père est mort, il est toujours là, il est vivant, il me protège. Ma mère tape le Johnny dans tout doigt là, pour distribuer les tours de garde aux gens. Ma mère est témoin de Jéhovah. Métissée très belle. Mais si tu la vois, le soleil de gloire a déjà tapé la femme là seulement parce que elle parle les Bibles aux gens. Elle va distribuer les tours de garde. Oui, ma mère. J'ai déjà tout fait pour que ma mère quitte les témoins de Jéhovah. Mais elle est témoin de Jéhovah, elle est baptisée, elle est dedans. Donc, quand vous trouvez une personne dans sa secte, une personne a choisi son Dieu, hein, respectez, parce que vous ne savez pas. Les prières que ma mère fait là, ça me protège. Lady m'aurait tué, parce que j'ai habité chez elle, avec ses démons, son vampirisme, toutes ces mauvaises choses, j'étais là. Et j'encourageais ça. Voilà. Aujourd'hui, là, elle m'a fait. Vous avez déjà entendu ou depuis que vous êtes né que une personne prend les diplômes de quelqu'un, les licences d'exploitation ici en France. Tu payes, tu vas à l'école pour avoir ça. Elle a déchiré ma licence d'exploitation. Mes actes de naissance, mes choux, elle a déchiré. Mes sacs, les trucs, son fils a volé d'autres, donné à ses copines. Les chaussures, le reste, ils ont mis à la poubelle. Vous dites que vous allez encourager. Allez l'encourager. Demain, elle m'a fait ça aujourd'hui. C'est sur Internet, non? C'est partout. Tout le monde a vu, non? Demain, on va faire pire à vos enfants. Moi, je suis encore en vie. Je parle devant vous. Et je parle devant vous pourquoi? Parce que mes mains sont propres. Et parce que dans ma vie, j'ai fait du bien. Parce que mon père a fait du bien. Dans ma famille, on a fait du bien. C'est pour ça que je suis en vie. Et que je peux parler devant vous, que je peux mettre devant vous, je parle. Une autre personne serait morte et enterrée. Moi, c'est mon portant, on serait enterrée. À toi, Anna. Il y a bois. Abeli, bois là, nous la sale bouche, l'anglais, tout le monde. Oh, la fille là, elle m'insulte, c'est sûr que machin. Alors que les gens qui m'insultent sur Facebook depuis des années, c'est des crouillardes. On commence par la vieille folle qui a. Qui porte le dentier là, à Kamba, tu es là, tu es qui on a vu. Tu es là depuis des années et tout et tout. Tu as créé ton premier faux profil il y a 12 ans, mais pour César. Tu étais là, mais bois, bon, à part aller filmer, quand tu pars filmer la maison de la mère Adolina et tout, c'est juste pour l'humilier, mais tu as fait du mal à qui on a vu. Rien que tu es seulement là, tu as boire depuis des années. Je n'ai jamais entendu que à Kamba, tu es ou bien qu'on te soupçonne de quoi que ce soit. Tu tapes seulement ta bouche là, sur Internet. C'est tout. Carole Abena.
Carlos, Carlos a déjà fait du mal à qui on a vu. C'est ce moment-là, écrit, fait ses statuts, visé. C'est même rare qu'elle fasse un statut qui est machin et tout. Maintenant qu'elle est mariée, qu'elle est dans son mariage avec ses enfants et tout, elle n'écrit même plus là. Hey, elle ne veut plus que son nom soit cité dans la saleté. Carlos a déjà fait du mal à qui on a vu. Personne. Parce que vous êtes là que, elle avait les points, Carole, elle avait machin et tout. Vous avez déjà vu Carole écrire un jour qu'elle va tuer Coco, ou bien me chercher, qu'elle va me taper, ou bien machin. Jamais. D'accord? On compte maintenant. On a eu les points avec les orangles. Orangles, elle s'est seulement écrit les longs posts et tout. Elle, vraiment, quand elle va faire, elle s'est seulement écrit. Aurore, c'est tuer qui vous avez vu? Personne. Aurore, c'est seulement écrit, elle fait son show là, c'est tout, c'est seulement les insultes. Les autres, c'est qui? Les autres filles avec lesquelles j'ai eu les clashs là sur Facebook. C'est seulement taper, taper, boum, boum, boum. Mais toi, comme tu as listé, elle dit, il manque, tu as vu que, elle a eu les points écrits. Elles vont te parler comme ça, mais elles ne peuvent jamais faire du mal. C'est les filles qu'elles ne peuvent jamais faire. Elles sont là, c'est seulement sur Facebook. Sur Facebook, elles tapent seulement leur bouche et tout, mais elles ne vont jamais, à grand jamais. Si je mange là, mettez les têtes de mort. Si c'est la vérité, envoyez les cœurs, bombardez les cœurs. Voilà. Lady, donc tu as voulu profiter que vous, elle avait eu les points, elle avait eu les points ici, elle avait ci, elle avait ça, tu as dit que on va dire que ce sont les filles là. Les filles là même sont les enfants de Dieu. Parce que si quelque chose m'arrivait chez toi, on allait commencer à soupçonner une d'entre elles, alors que c'est les filles que nous sommes là dans les guerres virtuelles depuis des années. On écrit seulement, on a déjà tout fait. Oui, on publie, c'est que on parlait des morts et tout, et tout, mais ça reste là. Mais jamais quelqu'un ne s'est levé, quelqu'une d'entre nous ne s'est levé pour dire que elle pas tué ou bien pas fait. C'est là même quand elle part, quand on va faire ça, le tout si j'ai déjà fini avec toi, tu parles, elle est partie se chercher elle-même pour laver son corps et tout. Mais toi, Lady, tu es sorcière. Tu as voulu utiliser. Tu as voulu utiliser toutes ces femmes, toutes ces filles. Parce que tu voulais me faire du mal. Pour qu'après, on accuse ces filles. Mais je vais te dire, moi, il y a 10 ans que j'ai appris ce que c'est que l'intelligence spirituelle. Donc, je sais qui est mon véritable ennemi. Je sais qui peut me faire quoi. C'est-à-dire, quand je dis ça avec une personne, ou bien quand une personne écrit à travers les lignes, je peux lire que non, celle-ci, vraiment, elle a mon macabo, elle peut vraiment en vouloir à ma vie, ou bien vouloir me faire mal. Mais quand tu vois Akamba, Akamba, elle peut faire 10 directs par jour. Elle, c'est seulement la moquerie. Oh, Ngako, c'est tout. C'est tout. Mais toi, tu es une tueuse. Tu as voulu utiliser tout. Mais l'idiote, l'autre idiote qu'on appelle Flore de Lille, mais vraiment, toi, tu me fais mal. Mais tu sais que quand on va te tuer, ce n'est pas les gens avec nous comme ça que tu clashes et allons te faire du mal. Tu as les gens qui sont là, qui ne disent rien, mais qui ont vraiment ton macabre et qui vont te faire du mal. Oui. Toi, tu peux apprendre, toi, Lady. Tu prends un fou comme un Papy Longchamp. Un idiot comme ça qui a l'eau dans la tête. Son mensonge même ne passe pas. Tu peux apprendre l'autre qui a les pieds pourris. Qui parle même que le frère. Et puis, quand son Amazon, on m'a fait les captures d'écran de tes dents son direct hier. Apparemment, son dentier, ouais, dentier. Envoie-moi encore les captures d'écran. On balance ça sur tout. J'ai rigolé jusqu'à. Donc, Lady. Donc, tu pensais que. Quand le travail, oui, je m'étais chamaillée avec elle, on avait fait comme ça là. Et tu prends, tu plies le doigt. L'autre, ah oui, elle me doit l'argent, et tout. Mon couple d'amis que je ne suis pas partie, en fait, pas mon couple de clients, que je ne suis pas allée presser pour eux à Genève. Je ne suis pas allée presser pour eux à Genève parce que toi, la sorcière, tu as toutes mes affaires là-bas, tu me cherchais les problèmes et tout, sachant très bien que j'avais pris les marchés comme ça parce que je devais aller enterrer mon père au Cameroun. Donc, c'est à cause de toi. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, ils savent que j'avais ce problème-là. Donc, même s'ils ont mon macabo, ils savent que demain, après-demain, on va s'arranger. Je vais leur rendre leur argent parce que je ne suis pas. Moi, je suis une fille, je sais comment j'ai grandi. Donc, leur argent, je vais leur rendre leur argent. Et je vois qu'eux-mêmes, ils se sont calmés sur les réseaux sociaux depuis qu'ils ont été au courant de ce que j'ai vécu, ce que je traversais en ce moment-là. Et tout, j'aurais même pu mourir. Voilà. Ils n'auraient réclamé l'argent à personne. Voilà. Donc, Lady, tu as voulu profiter de tout ça. L'autre vient te dire, oh, maman, pourquoi me doit comme ça? Alors que moi, quand j'étais avec toi, je n'ai jamais laissé quelqu'un même venir me dire du mal de toi. Parce que si tu, quand tu es avec une personne, si tu laisses déjà seulement une petite ancrée comme ça, c'est fini, tu as laissé ancrer le diable. Mais toi, coucou ma soeur Solange, ça c'est
ma complice, Solange Kamgam, envoyait les cœurs pour elle. C'est elle qui m'a aidé avec le chien. Maman, on a aidé pour le chien. Hein. Maman a fait du chien. Il va écrire un livre. Parce que ça, c'est une des nouvelles que je vous annonce après. Je vais écrire une histoire sur le chien là. Parce que quand elle parle du chien là, mes yeux sont comme ça. Je ne peux même pas regarder la caméra parce que c'est un truc que je n'ai jamais vécu de ma vie. L'histoire de ce chien là, Luxus. Donc, Lady, tu as voulu entraîner les filles de pluie. Quand ils te disent que, ah oh oui, je me suis chamaillée avec elle. Oh, comme tu vois là, hein, on a fait la guerre ici. C'est toi qui partais vers elle. Hein. C'est toi qui parlais vers elle. Elle partait, par exemple, au Cameroun. Et j'étais avec Carole Abena. Hein. Elle est venue. Carole va te dire quoi? Carole va te raconter nos querelles, c'est tout. Elle va te dire quoi? Carole va te dire qu'il faut me tuer. Elle va rien te dire. Elle va rien te dire. Mais toi, tu as vu ça, tu t'assois avec elle, tu pensais qu'elle allait te dire. C'est comme par exemple mon petit neveu que tu as resté avec lui. Tu pensais qu'il allait t'apporter quelque chose dans ton... Comment on dit que pour tuer quelqu'un, il faut être avec un membre de sa famille. Tu pensais qu'il allait te dire quelque chose. Mon neveu, là, la première fois qu'il me voit, c'est ici en France. Sa propre mère m'a déjà vu, je pense, deux ou trois fois. Il connaît rien sur moi, donc tu ne peux pas l'utiliser pour me faire du mal. Et je suis la première fille de mon père. Tu ne peux pas. Mon père était un homme très compliqué, quelqu'un de très gentil. Dans tout le département de la Haute-Saône, tu ne pouvais pas me faire du mal, Lady. Tu ne pouvais pas. Et tu ne pouvais pas faire que quelque chose m'arrive pour qu'on accuse les filles de pluie. Oui. Et tu as voulu maintenant que ces filles entrent, maintenant que ma chère... Je suis contente parce que chacune... Non. Beaucoup ne se mêlent pas. Hein. Non, pardon. Celles qui se mettent là, même les directs qu'elles font n'ont pas de sens. Nous, on connaît la vieille Mangroïde. Elle cherche la Starmania depuis ça. En même temps, comme ça, qu'elle cherche ses choux. Par son mariage avec Bibabim Fana. Grand frère, excuse-moi, Bibabim Fana. Mais c'est le cul d'un que tu as là-bas en bas ou quoi. Une fois femme, une bonne soit. Parce qu'on ne comprend pas. Quand tu arrives avec les têtes blanches à Lausanne, avec les grands Toundé, tout ça, le père à te basse. Le blanc qui vous a fait venir vous a logé au sous-sol là-bas au Playtime. Il n'y avait même pas le chauffage là-bas. Il ne vous donnait plus à manger parce que quand il vous a fait venir, il pensait qu'il allait faire boum. Mais vous êtes arrivé, il n'y avait pas trop de clients et tout. Vous étiez dans la merde. C'est moi toujours dans mon histoire de cuisine qui avait plein ce Patrice qui chante le Bensiki. Plein ce Patrice ne m'appelle jamais Coco. Jusqu'à la fin de sa vie, il ne va jamais m'appeler Coco. Il m'appelle ma mère. Les gens qui sont sur Lausanne vont vous dire ça. Même les gens qui le connaissent. Prince Patrice, chanteur de Mangambe, Bikutsi, m'appelle ma mère. Pourquoi? Parce que Prince Patrice, je vous explique, c'est un conteur. C'est un prince Banganté qui a grandi au village avec son grand-père. Donc, il connaît les histoires, les contes qu'on racontait là. Donc, les contes là maintenant... Il s'est marié à une Suissesse. Il a développé ce compte-là. Ce qui fait qu'avec le djembé, quand moi je faisais mes prestations de service, je faisais des afters. À peine les afters commencent, moi je les faisais dans Lausanne. Et mon ex était un architecte, un des plus grands architectes du canton de Vaud. Donc, dans les endroits emblématiques de Lausanne, moi j'organisais des afters et même des soirées. Donc, ce qui fait que je faisais venir Prince Patrice qui faisait du djembé en racontant les histoires de Zumanto. Voilà, avant que nous tous on ne connaisse Zumanto, et tu es tout Zumanto, c'est le lion. Zumanto a fait que le lion et la tortue, les histoires comme ça, et tu es tout, en chantant avec le djembé. Ah, mani nanani, ah, ah, me danser, ah, machin, et tout et tout. Après, il revenait, il parlait en français pour que les blancs écoutent. Quand les blancs écoutaient un peu, les blancs applaudissaient, et tout et tout. Et moi, je faisais un buffet à volonté toute la soirée, là. Je leur donnais leur argent. Donc, après, maintenant, il y avait les têtes bouées. Donc, Bibabim Fana, que vous voyez le mari de cette femme-là. Je lui ai offert ma sono que j'avais dans mon dancing. 1200 francs, j'ai acheté cette sono. J'ai offert à ce grand frère, que, grand. Hein? Oh non, tu vas souvent aller animer, même les baptêmes. Tu vas avoir tes 150 francs sur tes 200 francs sur tes tout et tout, machin. Tu ne peux plus venir me déranger. Mais grand frère, c'est toi qui laisses à Kamba. Ta vieille femme-là, ta vieille chaussette trouée et tout, alors que c'est toi qui lui as même donné le kaolo. C'est elle qui avait d'abord payé le kaolo. Pourquoi tu as le kaolo? Maintenant que tu as le kaolo, et c'est toi maintenant que tu lui donnes une histoire bizarre au Cambolex. Tu laisses Akamba s'asseoir. M'insulter. Bon, heureusement que c'est insulte. L'insulte ne me disait rien parce que c'est qu'elle ne vaut rien. La mère,
Oh, baby, calme son toi aussi. Tu n'as pas les dents en haut. Va mettre les vraies dents. Comme ça, tu reviens me parler, va te répondre. Mais elle a fait tout. Mais elle a tout fait à la main, là. Mais je ne comprends pas, il y a les masos ici dehors. Je vous montre un peu l'image que j'ai. Hein? Que j'ai faite à la main, là. Mais elle n'a pas pitié d'elle-même ou quoi. Hein? Mais j'ai dit à Kamba, il faut que je montre encore un peu au Camerounais ce que j'étais fait. Mais je ne te comprends pas. Pourquoi tu es toujours derrière moi? Pourquoi tu te mêles toujours de mes histoires? Faites la capture. Voilà l'image là. Hein? Je lui ai mis 2 mimbans. Hein, vous voyez, Karamba la sorcière derrière, avec sa soutane et la croix ici, parce que c'est une ancienne de l'église. Amma Kamba, à Tata Kamba, parce que tu es des ndoum, ma mère Akunolinga. La mère, tu fais quoi dans mes histoires sur Facebook? Ton dentier là va sauter un jour à cause de faire les directs sur moi. Ce qui était fait, si je sais, je comprends que ça t'a traumatisé. Je sais, mais la mère, à la guerre comme à la guerre, je ne comprends pas une maman comme toi, tu es toujours là pour des enfants. C'est pour ça que moi, j'ai été faite cette image-ci. Si l'image, si t'as traumatisé, que tu as décidé de me pourrir la vie, tu ris même quoi, Valérie? Non, parce que les gens, quand ils me provoquent, ils ne voient pas. Mais maintenant, Hein, Bambi, non, moi, je vous ai dit que j'avais fait ça. Non, non, je lui ai fait ça. Non, je lui ai fait ça. J'ai fait ça à la mère, là. Parce que une tata ne peut pas être comme ça. Une tata, normalement, si les enfants ont les problèmes, elle va appeler, elle va dire à l'autre enfant que hein, c'est comme ça que nous on dit chez moi. Hein, coquille, tu es là, coquille du camé. Hein? Elle va dire à l'autre que laisse ta soeur comme ça. Et puis elle va appeler l'autre, elle va dire que ta soeur a dit qu'elle ne veut pas être avec toi. Laisse et tout. Mais ma tata là, ouais. C'est elle qui pousse même Carole. Elle sait très bien que j'ai les choses contre Carole. Qu'ils ne vont pas me provoquer. C'est comme vous voyez par exemple les flots, les ngoussa, tout ça. Tout. Vous avez vu par exemple Lolo a dit que hey, ma mère, hey. Quand toi tu connais comme ça, tu dis que hey. Et ça s'arrête là. Parce que si moi-même je continue encore sur Lolo là, c'est pas bien. Elle m'a évité. Elle m'a cassé. C'est comme ça. Donc, si la matin, là, elle parlait comme ça à Chopin ou bien à machin, il n'allait pas avoir la guerre virtuelle que vous voyez qu'aujourd'hui, là, que celle de Matozo, elle est bête, elle est machin et tout. Quand elle peut me taquer, elle me taquer, je la comprends. C'est pour ça que des fois, même, je ne réponds pas. Je ne la gère pas parce que je l'ai la touchée. Tu ne peux pas gifler une enfant et tu ne veux pas qu'elle pleure. Voilà. Donc, la matin, là, je lui ai fait. C'était une ancienne de l'église. Donc, après, on me dit que non. C'est une ancienne de l'église. J'ai dit que non, vous mentez. Comment ça ne peut pas être une ancienne de l'église? Comment? On me dit que oui. Que c'est une ancienne de l'église. J'ai dit que non. Comment une ancienne? Donc, j'ai pris la photo où elle a sa soutane bleue que vous voyez là. Et à l'époque, elle n'était pas encore mariée à Bibabim Fana. Elle vivait avec son ex-mari. On me dit que le gars était un peu parapala. Donc, j'ai dit, donc, cette femme, sinon, seulement elle y avait 2 hommes. Et elle dit qu'elle est venue de l'église. Elle est dans le Congo, ça. Donc, si elle est dans le Congo, ça, comme ça, là, ça veut dire que c'est Karamba la sorcière. Donc, j'ai pris le mimban noir de Bimabim Fana, j'ai posé ici. Le mimban blanc de son blanc, là, il avait un nom allemand, il est posé ici, là. J'ai pris la croix de l'église, j'ai mis ici. Avec sa soutane, je lui ai mis Karamba la sorcière derrière. Depuis ce jour, la matelle est derrière moi. Mais elle, c'est seulement les directs, c'est seulement les histoires abracadabran. Hein? Les histoires abracadabran. Elle dit qu'elle va vous raconter ça et tout, machin, tout et tout, jusqu'à la vie de sa vie. Elle, c'est comme ça. C'est comme moi, si elle décide que je parle, elle dit ponce jusqu'à la fin de ma vie. C'est pareil pour la maman là. Et elle ne peut pas lui dire que la mère arrête. Elle te plaît, ma perruque? Je l'ai commandé sur Amazon.
Allez fouiller sur Amazon. Vous commandez aujourd'hui, demain vous allez recevoir. J'ai osé, hein. Allez, vous plaît. Honorable, honorable. On a une fois, on a honorable. Bon, la mère, il te demande pardon, hein. Oui, tu es quand même ma tata à Kononinga. Mais arrête. Tu es toujours sur Facebook là et tout, machin, respecte-toi, respecte ton âge. Comme ça, les gens vont te respecter aussi. Voilà. Moi, je n'attaque jamais la famille. Mais cette tata-là, elle est longue. Moi, j'ai mes tatas à Konolinga, en Suisse là. Tata Marie-Thérèse de Fontolier, les autres tatas à Konolinga là, avec lesquelles je m'entends super bien. Mais la seule qui est venue jusqu'à créer les faux profils, jusqu'à m'insulter, c'est la seule. Ça dit, on dit souvent que Mangwana Kononinga, donc le côté de ta mère ne peut jamais t'attaquer. Parce que quand tu entres au village de ta mère, tu as le Manangwana. Ça veut dire que tu peux attraper les poulets, tu peux attraper ce que, hein, ceux qui connaissent la tradition là, vont vous dire ça. Mais tu as vu une tata qu'elle attaque sa nièce, mon frère. Et elle m'a dit, oui, c'est ma nièce, hein? C'est ma nièce, on voit, ben, elle vient m'attaquer. Mais la mère, Massa, arrête tes conneries. Arrête. Parce que quelque chose, tu vas encourager une personne à me faire du mal. Si quelque chose me fait mal, m'arrive là, tu vas commencer à avoir mal, tu vas commencer à avoir des remords. Voilà ça qu'on t'a chassé au deuil de. Un dérange au clou. On t'a chassé au deuil de Nicole Omba là-bas. Toujours à cause du Congo, ça. Nicole était comme une petite fille pour une fille pour toi, une fille bien. Tous tes deuils, tous tes problèmes que tu as eu, Nicole a cotisé là. Non, on a cotisé quand ton premier mari est mort, on a cotisé pour toi. Et tout. C'est pas toi qui peux faire que Nicole peut avoir un accident comme elle a eu là. Et puis elle meurt. Toi, tu commences à faire le Congo. Ça, tu ne respectes rien. Tu es une sorcière. Tu ne vaux rien. Alors arrête. Bibabim Fana a chanté sa chanson là, c'est encore quoi. Voilà ça. Et voilà une maman qui se vante que oh, elle a le mari. Biba. Bibabim Fana. C'est ça qu'elle dit que grand frère aussi que femme, on y est. Oui, on y est. Tu n'es pas un homme. Une femme comme toi. Moi-même, je dirais que le fait, si mon gars n'est pas content. Oui, il n'est pas content. Mais il lui dit que papa, là, c'est mon combat. Mais je te promets que je vais arrêter à un moment donné. Mon gars n'est pas content de ce que je fais. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Mais Biba, comment ta femme peut être comme ça dans les trucs et tout, machin, Dieu veut. Hein? C'est quelle histoire ça, grand frère? C'est quelle histoire ça? Hein? Tu es une femme ou bien tu es un homme? Dans l'affaire qu'on dit qu'on y est là, c'est vrai, tu as dit, tu es une femme, tu n'as pas les couilles. Tu bandes de mots, tu es une fiotte. Dis-nous une fois, parce que vous avez fait un ménage à trois là. Je ne comprends pas comment un vrai camp comme toi, Monitone, où nous disons que Nina, tu viens avec une femme, elle avait son mari dans la même maison. Donc vous partouziez. Oui. Donc. Bibarim tu pars tout ça, elle m'a dit ça quand même, son yeux blancs. Parce qu'elle doit te tenir quelque part. Un Camerounais, un vrai, ne peut pas être marié. Ça fait là, 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 Facebook. Non. C'est fini. Nous, on a vu les filles ici que. Moi, je prends tous les exemples que je connais. Hein. Voilà Carole. Carole, donc, parce qu'il faut arrêter de l'appeler Carole Abena, parce qu'elle est mariée à un autre gars maintenant. Toi-même, Carole, change ton nom sur Facebook parce que tu es la femme de quelqu'un d'autre maintenant. Voilà. C'est Carole Ndong, non? Son mari, c'est Ndong, non? Voilà, c'est Ndong. Donc, elle est mariée maintenant. Elle a fait son enfant. Mais elle n'est plus dans les clashs. Elle n'est plus là-dedans. Vous parlez de quoi? Non, 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 non. Elle a sa vie maintenant. Dès qu'elle met un peu un poste là et tout, les gens partent et disent que te voilà qui va. Et moi-même, quand on me sent que ça, il dit que moi, je vais ressortir tes vieilles photos, hein. Elle ne revient plus sur Facebook publier. Oui, parce que ça, comme moi, je suis une folle, je peux publier. Mais bon, je ne vais pas le faire parce que, bon, elle nous a prouvé quand même que elle s'est rangée, elle est dans son coin, elle n'est plus dans le truc. Donc, il faut la laisser, il faut savoir respecter les vies des gens. Il ne faut pas être, genre, tu veux poursuivre les gens jusqu'à et tout, voilà. Elle a sa petite vie, elle a son petit mari, c'est un jeune, c'est un gars qui est dans la politique et tout, il vient d'une bonne famille. Il faut la laisser. Voilà, faut les laisser, il faut la laisser vivre sa vie. Elle-même, elle me l'a compris que si elle va encore revenir dans la boue, elle serait éclaboussée. Eh ben, c'est ça. C'est comme ça. Vous avez vu Lady Mimban. Elle avait la carrure d'une star et tout, machin, tout, alors qu'elle traîne avec les camionneuses. Hey! Vous avez vu Maïté Babou.
Regardez-moi une femme comme ça, qui ressemble à une chauve-souris. Et le Njansang la refuse, bah bon, avec les plumes sur le visage, un nominga. Voilà une femme qui montait les bandits au Cameroun pour aller tuer les petites copines de ces petits gars qu'elle sort avec. Tu n'as pas honte. C'est toi, Marie-Thérèse Babon. Si Lady Ponce est là aujourd'hui, c'est vrai que c'est une sorcière. C'est une salope. C'est-à-dire, c'est une méchante fille. Elle mérite ce qui lui arrive. Mais toi, tu l'as aidée à entrer dans la boue. Toi, tu n'as pas de carrière. Tu viens d'où? Tu sors d'où? On ne sait même pas qui est ton père, qui est ta mère. Toute ta vie ici-là, c'est la prostitution. Tu es parti au Danemark. Tu as été rapatrié là-bas du Danemark pour vendre Nkung. Oui, je préfère coder pour qu'on ne nous signale plus. Pour vendre Nkung. Tu es arrivé là-bas, tu as commencé à vendre le banga et les bamba. On t'a rapatrié. Tu es venu ici. Qu'est-ce que tu vas apprendre à une Lady Mimban? Hein? Tu vas seulement lui montrer tout ce que tu as vécu dans les camions, dans les bambas. Parce que les vieilles femmes comme toi, comme ça, dans les bambas, vous êtes les proxénètes. Vous faites venir les petites filles. Vous mangez leur argent. Vous leur apprenez que c'est comme ça qu'il faut faire les bambas. On fait comme ça. Dès que l'enfant travaille l'argent, c'est toi qui appelles la police pour la rapatrier. C'est toi qui es dans le chantage. C'est toi qui es machin. C'est toi qui es dans si machin. Quel conseil que tu vas donner à Lady Ponce? Aucun. C'est toi qui lui as dit que bloc. Tu as volé mes parfums. Tu as volé en premier, tu as volé les mèches de ma petite soeur. Ma petite soeur vend les mèches. Ma petite soeur, son mari est pétrolier. Donc, ils vivent partout. Ils étaient en Inde, partout. Et tout le monde a les connaissances. Elle vend les mèches. Elle venait de m'envoyer un carton de mèches. Les mèches de 1200 euros. Ce n'est pas tes plastiques que tu portais. Vous avez d'abord volé les mèches là. En premier, c'était encore bien emballé. Les parfums, j'étais venu du Luxembourg. J'avais les parfums, les Chanel numéro 5. Les Dior que mon type m'avait acheté, 4 parfums. Vous avez pris ça. Vous avez vu mes sacs à main, vous avez pris. Vous avez vu mes choses, vous avez pris. Les habits, je sais que certains ne vont pas vous aller et tout, vous avez partagé, d'autres vous avez jeté le bâtiment. Ma copine Sandrine Zéné m'a acheté les vêtements la dernière fois qu'elle était à Paris. On a été faire le shopping. Elle m'a acheté les vêtements pour, on va dire 1600 euros. Les vêtements, j'avais des ensembles. Qu'elle m'avait acheté parce que elle veut toujours que j'aille au Cameroun pour diriger son restaurant. Donc elle m'avait acheté des vêtements, des tenues bien en tant que directrice, en tant que cadre. Quand je lui ai dit que j'avais que des anciens trucs et tout et tout. Elle m'a acheté 1600 euros, elle m'a acheté des vêtements et tout. Donc j'avais encore des ensembles là que je n'avais pas encore portés. Des choses encore neuves. Vous avez pris tout ça. C'est toi, Babon. Pidja, allez-y, excusez-moi. Allô, mon petit? Ça va et toi? Je te rappelle après, c'était pour l'édition, là, c'était pour le livre. Hein? Je te rappelle après, je suis en direct. Lady Mimban, je sors le livre sur toi. Oui, ce n'est pas un livre, je vais sortir plusieurs. Voilà. Plusieurs. Voilà. Donc toi, c'est Babon qui t'a dit, fais comme ça. Comme les mères maquerelles là sont que. Ça dit, tu arrives chez elle, tu as tes choses et tout machin, tu travailles ton argent, tu achètes, tu poses, elle regarde comment tu es en train d'acheter. Tu poses. Après, elle va te déclencher un problème qui n'a pas de tête. Si tu n'as pas les carreaux, elle t'a déjà payé la police, on t'a déjà porté, on t'a amené au Cameroun ou bien on t'a amené en prison. Elle reste récupérer tes choses. C'est ce que Babon et Lady ont fait de mes affaires. Mais elle ne savait pas que j'avais les papiers en France. Ce qu'elles ont écouté, c'est le Congo ça, parce que quand tu demandes à une carreau coco, c'est qu'elle elle se met dans le bat. Comme les voitures, elles ne vont jamais leur dire les vérités. En fait, elles ne leur disent pas les vérités parce qu'elles ne me connaissent pas réellement. Mais une personne qui me connaît allait dire à Lady que Lady, ne tente même pas la fille là. Ne la vois pas là que c'est parce que, ouais, elle a eu son enfant qu'elle a assise comme ça là. C'est un élément dangereux. Quelqu'un d'autre allait dire ça à la fille là. Mais elle allait vers les Mbunga que j'ai traumatisé lors des guerres virtuelles là.
Tu voulais qu'elle te dise quoi? Ah, elle n'a rien, elle ne veut rien, c'est une jalouse. Ah, ne revient pas, ah, machin. Tiens, elle a voulu faire comme on fait le bat au quartier. Quartier de couture. Oui, ma réquipe. Eh, machin. Tiens, France. Ma chance pour toi, tous tes papiers en France sont faux. Ta mère est morte en 81, tu es née en 84. Mais tu es fini où tu es là. Je sors le livre sur Lady Ponce. Est-ce que moi, quand je lui avais dit que mes affaires ne sortent pas, il sort le livre. Je sors le livre sur elle. Oui, ce n'est pas un livre. Hein. J'ai plusieurs livres sur elle. J'ai À l'ombre d'un caméléon et j'ai Ruffine Dark Story. Moi, je vous cache pas. Attendez, je vous montre. Ruffine Dark Secrets. Toujours avec les hommes, l'autre qui embrasse ici, l'autre qui plotte en bas, l'autre. Vous avez l'autre à l'ombre d'un caméléon avec les serpents, les trucs. Et puis je vais écrire les livres sur toi. Oui. Ça, c'est mon petit frère qui m'appelle. Il a au moins 10 livres à la FNAC. On va te sortir ça là-bas. On te sort ça. Ça dit maintenant, je suis revenu en région parisienne pour ça. Cette semaine, je vais rencontrer le directeur de la maison d'édition. Je suis en région parisienne. Je suis revenu pour ça, Lindy. Tu as fait une fille. Tu as porté. Ce n'est pas les fourmis magnon. Ce n'est pas Onkosulu. Le Onkosulu mélangé avec les Mintontoro. Les Mintontoro, c'est les fourmis magnon qui sont gros là que quand ça te pique, ça te chauffe jusqu'à. Parce que les autres, le Sulu est encore un genre. Il y a les Mintontoro qui sont les plus dangereux. Donc, tu as et le Sulu et le Mintontoro. Donc, fusion de Sulu et Mintontoro. C'est sur toi. Oui. Non, je vais écrire sur elle. Et j'écris l'association. Je vais bombarder la fille de partout. Mais m'attendez un peu. Mais vous allez voir quelque chose. Ceci doit servir de leçon à ceux qui pensent qu'ils ont le pouvoir. Ils ont si. Et qui peuvent niquer les races des plus faibles. Cette fille pensait que j'étais faible. Hein? Elle pensait que j'étais faible. Méfiez-vous. Ne sous-estimez jamais votre adversaire. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est que cette fille, elle m'a tellement sous-estimée. Parce que mon métier, en Afrique, chez nous, fais-tu pas, tu peux pas. Regardez même d'ailleurs les insultes de certains. Un cuisinier, un boniche, oh la cireuse des mamans. Vous savez ce que gagne un chef ici? Mes marchés que je gagne, quand j'ai les marchés là, vous savez ce que je gagne? Hey, mais c'est ce que vous gagnez en 6 mois. Moi, je gagne ça en un seul marché, quand j'ai les marchés. Méfiez-vous des chefs. Même un chef cuisinier même. Un chef cuisinier même que vous voyez, l'autre dit qu'il faut qu'on m'interne. J'ai folle. Vous allez voir ma folie là. Ma folie là en train de traiter votre chanteuse. Elle est là. Oui, Ruffin's Dark Story. Donc les styles histoires de Ruffin. Dans le livre, il y aura les détails. Oui, les choses que papa a. Les noms. Je vais tout mettre dans le livre là. J'ai déjà sorti. Oui, oui, oui. Je vous ai montré les trucs. C'est un truc que j'ai préparé depuis. Oui. L'instant en bracatala, elle parle encore. Ha. Vous, quand elle parle mes cheveux, vous aimez rire. Hein? Merci beaucoup, Anita. Voilà une gars qui se lève. Bunga. Voilà. La fille est à la SAR, mon frère. Toi, tu es à la SAR, où tu es parti apprendre à raboter, hein, pour fabriquer les tables, les trucs, machin, tout. Toi, tu veux chercher pour à une fille qui est à l'école. Une fille qui est arrivée ici, qu'elle a pris qu'il faut qu'elle fasse l'école des blancs. Tu entends qu'on peut apprendre la cuisine. Quand tu peux apprendre la cuisine, tu apprends la culture générale, tu apprends beaucoup de choses. Tu penses qu'avoir un diplôme en hôtellerie ici, là, en France, c'est que c'est une école quelconque. Tu as au moins 21 livres que tu lis. Tu apprends tout.
Tu apprends tout jusqu'à la culture générale. Tu apprends tout. Tu apprends la géographie. Tu apprends tout. Mais regardez-moi une bande comme ça. Regarde l'autre. Mimba, la vieille, mais vraiment, il donne le nom à Lady Mimba. Et il vient maintenant m'appeler Mimba. Mais vous êtes bête, hein? Ouais. Vous avez vu, le livre, c'est Riffin Dark. Hein? Dark Secrets. Donnez-moi un titre qui vous plaît, là. Là, moi, je vous ai donné. Lady Riffin Dark Secrets. In English. Donnez-moi le titre. Hein? Merci Johanna pour l'éclair. Merci Orti. Donnez. Là, c'est Lady Ruffin Dark Secret. Donnez un titre pour celui-ci. Vous avez vu, avec les gars, une fille qui ne peut pas avoir un seul homme, elle est tuée avec plusieurs gars. L'autre touche les seins. Hein? Non, à l'ombre d'un caméléon, c'est l'autre livre. Parce qu'on ne peut pas faire un seul livre sur elle. C'est plusieurs. Ça, c'est son danseur ou quoi? Parce qu'elle a une aventure avec le danseur. Et voilà l'autre là-bas. Cette grosse cuisse qu'elle a pompée là. Elle a fini de pomper la graisse sur ça. Mettez le titre. Les vies sombres des Ruffines. Oui. Mettez. Seven Shards of Lady Mimba. Yes. This is why, Tommy. Put them. C'est yeah. Lady Wolves, Lady, the history of crime, yes, sous l'apparence d'un faux ange, ok, mettez. Mais t'es donné les titres parce que je peux changer. Hein. Je peux changer comme ça et je prends votre titre à donner. Voilà le titre que moi j'ai donné là. Donnez votre titre hein, sur cette sorcière là. La tuer, tuer. Non, il faut que tu saches que ce bouquin sera lu et traduit un peu partout dans le monde. Donc il faut quand même mettre un titre que quand on va traduire. En français, coucou ma grande sœur chérie, Calixte. Voilà. Donc, quand ce bouquin sera traduit en anglais ou en japonais ou en arabe, que ce soit quand même voilà, quelque chose qui, voilà, qui aille facilement et que ça puisse tonner en une autre langue. Les Mimbang de la République, pardon, les grands de la République, ils ne veulent même plus entendre qu'ils ont affaire à elle. Ils sont là connectés. Ils attendent, donc comme Jacques leur a donné, mais petit frère Jacques, pardon, mon petit, s'il te plaît, laisse comme ça. Jacques, bipez-moi, Jacques, bipez-moi, bipez-moi. Bipez Jacques. Écoute, mon fils, écoute, s'il te plaît, laisse comme ça, s'il te plaît. Hein? Laisse comme ça. Laisse. Calme-toi. Cool down. Cool down. Je sais que tu es intelligent. Tu es très intelligent d'ailleurs. Mais laisse comme ça. Laisse. Laisse, ne te fâche plus. Laisse. Si les gens te rejettent, hein, s'ils font des choses pas bien, mets-toi dans ton coin et évolue seul. Laisse. Laisse, 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 laisse. Hein? Laisse comme ça. Voici. La chanteuse des ténèbres, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas mal ça. Celle qui a scié son âge. Lady volait, ok. Lady la tueuse silencieuse. Maman, c'est une. Oui, comment on appelle encore. Il y a un insecte là. Qui tue. Non, mais celle-là, elle tue ses maris. La menthe religieuse, oui. Quand tu as vu la couverture, là, ça ressemble à un magazine. Ça sera les bouquins de poche. Ah oui. C'est pour ça que je n'ai pas écrit un seul livre. J'ai fait plusieurs. Voilà. Les livres même avec, on va dire même 80 pages comme ça là. Voilà. Parce que même Luxus, le chien chieur,
va avoir sa part de livres. Mais je n'ai jamais vu un chien comme ça. Mais peut-être parce que je n'ai jamais vécu avec un chien. Je suis le chien. Solange, envoyez les cœurs pour Solange Kamgang, parce que je serais morte de deuil, comme vous voyez là, si Solange n'était pas là. Merci beaucoup, François. Tu vas bien, ma grande soeur chérie. Oh, je t'embrasse. Merci, merci, merci d'exister. À l'ombre des pactes, ouais, ça c'est bien. Ben, vous voyez, tellement cette fille elle est entrée dans des choses que on lui a demandé d'aller. Vous savez qu'elle n'a pas été à la levée de son frère. Elle n'a pas été. Elle n'a pas été. Elle est descendue au Cameroun. Elle vous a dit que wow, 25 000 dollars a fait que elle va construire pour les orphelins. Elle va machin et tout. Nani nani. Hein? Son frère est mort. Elle va aller pour le deuil et tout machin. Tout nani nani. Et elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie. Oui. Les chefs du village lui ont envoyé la nouvelle qu'il faut nous ouvrir. Za, viens jurer, viens machin. Elle a dit qu'elle ne vient pas. Elle ne sait pas de quoi il parle. Donc, comme vous la voyez là, peut-être qu'elle n'a même pas été à l'enterrement. Hein. Oui. Si elle a été, c'était dans les barbares, mais elle ne s'est pas mise. Parce que là, il n'a même pas encore reçu une photo jusqu'à maintenant. Parce qu'il y avait les envoyés spéciaux là-bas. On allait d'ailleurs m'envoyer que la voici ici, en noir ou bien machin et tout et tout. C'est chaud sur elle. C'est chaud. Oui. Que le fantôme de son frère la marche partout. On voit le fantôme de son frère partout. Elle a fait venir les prêtres pour prier. Rien. Belle. Je m'en ai plus quoi encore. Vous verrez, tu vous dis que manque. Donne-moi la photo où elle était là-bas au deuil. On voit. Comment elle a parlé au deuil. Minalmi. Lady Mimbang, nous on veut voir. J'ai dit que. Pour taire les soupçons sur toi. On veut te voir comment tu es comme ça. Moi, le cercueil que vous publiez là, c'est moi, non? Sur le truc de mon père, encore, il peut que oui, donc tu es parti. Oui, papa, tu nous as laissé avec qui? Oh. Je suis sur le cercueil de mon père, encore, de publier les photos. C'est ça que vous créez les profils avec. Lady Mimban. Pourquoi on arrête de te soupçonner que c'est toi qui as tué ton père? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Coco. Oui, c'est Coco, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas, ma grande? Je vais bien. T'es en direct, ma chérie. Ah, d'accord. Je voulais juste te dire, je lis les commentaires là. Il y a quelqu'un qui ne fait que dire que, n'est-ce pas, Ducamé a dit que tu laisses tomber cette affaire. Ducamé, c'est qui? Merci, dis-lui. Lui, Non, non, faut parler à lui, c'est Ducamé. qui? Faut lui parler. Il s'autoproclame président des influenceurs, président des blogueurs, en tant que qui? Bon? Il est d'abord cool, comme il dit qu'ils étaient dans un groupe WhatsApp avec Flore et Lolo et tout le monde, et c'est là-bas qu'on lui a donné le poste de président des blogueurs. Donc, Coco, il faut laisser tomber cette histoire. Le Tu réclames Cameroun le tellement de billets connaît. d'hydrogène. Du Cameroun, tu as Un reconnu. malade mental. Il est cool d'abord comme la bouteille de Malta Guinness. Il te demande de laisser tomber en tant que qui? Quelqu'un qui te supportait au début. On est parti lui donner l'argent ou C'est un bien qui l'a retourné astronaute. sa tête. Lui-même, il est Ou devant les maintenant, étoiles, il non? se C'est un réveille, astronaute. il Maman, cherche les étoiles. je Un dis, fou hein, comme ça, du là. Cameroun. Les vendeuses de piments se disent que toi, tu es président, tu es leur président. Toi, tu viens de dire que toi, tu peux être mon président. Heureusement que je ne suis C'est pas aujourd'hui là-bas que j'ai aujourd'hui, là. confirmé que Tu es toutes qui? les filles-là parlent ensemble. Jusqu'à il dit qu'ils étaient dans un groupe WhatsApp. Tu es Ils sont qui? dans un groupe WhatsApp. Il y a Flore, il y a Lolo, il y a tout le monde. Et on a dit que parce qu'il est bilingue, il faut qu'il soit président des N'importe où. blogueurs. Mais Jusqu'à regardez, il ma nous mère, a regardez dit. comment les villageoises là. Vous prenez un autre villageois comme vous que lui, il peut être le président. Il peut être le président de la petite là, ou bien il peut être le président des autres petites filles qui font boum sur la toile là. Tu es qui? Tu n'as J'ai même toutes pas ces 10 000 filles-là, abonnés. Mais toutes ces quatre qui te formes-là, c'est le connaît? show. Elles poussent, elles se parlent ensemble. Ils sont dans un groupe. Là, après, ils viennent faire semblant sur les réseaux sociaux comme s'ils se clashent, alors qu'ils sont tous une même bande. J'ai Du dit coup, c'est lui qui que. avait pris ton parti au début. Oui. Subitement, il se lève, il dit, mais Il tu dit que réclames les lui-même, c'est mandats, un il dit, faut se répondre. astronaute. Ça, il faut laisser. C'est Faut un laisser, il faut astronaute. laisser. C'est un Laisser quoi? astronaute. Quand Il Flore demande tirerait les son argent étoiles. ici. Un fou comme ça.
Il demande Pardon, il les faut plus étoiles. que la personne qui est en train de dire que, n'est-ce pas, Dukame a dit qu'il faut laisser tomber cette histoire. Coco, Lui-même lui, c'est d'abord, c'est qui? qui? Un coup, il était là-bas, un coup, il était là-bas, un coup, il était avec Flore, un coup, ils ont eu des problèmes, un coup, machin. Et tu dis qu'ils vous ont assez trompé comme ça, les Camerounais. Il dit Pour que savoir j'arrête venir parce pas de que l'argent. vous ne partez plus sur leur page, vous ne les suivez plus, c'est seulement moi que vous suivez. Voilà. C'est tout. Voilà. Comprenez cela. Merci. Voilà. Parce qu'ils ont vu le danger, ils voient que vous me suivez et vous ne leur donnez plus de l'argent. Voilà. Vous n'étiez que ça dit, je suis venu niquer leur business. Mais du caméra, je vais te dire quelque chose. Là, ce soir, comme j'ai prononcé ton nom, même les 10 étoiles, les 50 étoiles qu'on t'envoyait là, tu ne les auras plus. Parce qu'on a vu que tu n'es pas un garçon sérieux. T'es pas sérieux. Toi, tu te portes. Tu es président de qui? Qui va t'accueillir? Quel chaîne de télévision va t'accueillir? Qui va t'accueillir? Un gars comme toi qui a fait du sale sur les réseaux sociaux, on t'a vu. Tu te plains, toi, tu vas dire quoi sur moi? Toi et moi, on a discuté une ou deux fois sur tout. Une fois, on s'est appelé en vidéo et tout. C'est tout. Tu me connais? Tu me connais pas? Tu peux pas dire que tu parles avec moi. Genre, tu veux te faire important, que tu es quelque chose. Mais t'es rien dans ma vie. Tu ressembles même pas à mes amis. Jamais. Toi, moi, on a déjà bu un verre ensemble, on s'est déjà vu. Jamais. Pourtant, je suis sur Paris, toutes les 2 semaines, je suis sur Paris. Si tu me connaissais réellement, on serait allé boire un verre ou bien manger quelque part. Arrête tes conneries. Tu veux mais t'as pas de personnalité, toi. Tu es là-bas. Oui, je comprends que depuis que j'ai fait ma neuvaine et tout, vous n'avez plus d'abonnés. Vous n'avez plus les gens qui vous suivent. Vous n'avez plus les gens qui vous donnent l'argent et tout, que vous veniez là. Hein, vous soufflez, vous inventez les clashs. Les gens vous suivent, ils pensent que c'est vraiment les vraies histoires. Alors que vous avez un groupe où vous organisez les clashs avant et dedans, vous venez vous insulter parce qu'en fait, vous ne respectez plus rien. Vous venez en public, vous vous insultez. Après, les gens, on te cotise là-bas, on cotise aux autres là-bas. Et alors que vous vous entendez inbox. Je suis pas dans vos conneries, hein. Je suis pas dans vos conneries. Donc, quand tu fais tes directs, ne prononce plus mon nom, frère. Voilà. Ne prononce plus mon nom. Là, je t'ai gommé de mon service et de mon cerveau et de mon système. Voilà, tu ne vaux plus rien. Et je ne vais plus jamais prononcer ton nom. Voilà, parce que si tu veux parler de moi pour avoir quelques étoiles et tout, mais tu ne vas rien faire avec cet argent-là. Je suis une fille très compliquée. Tu ne peux pas gagner de l'argent sur mon dos. Voilà. Donc, mon problème, tu te mets de côté. Parle de tes problèmes. Ne parle pas de mon histoire avec les immigrants. Bon, tu n'as aucun diplôme en Europe. Je ne sais même pas comment tu es arrivé, ou c'est par la nage ou par machin. Tu n'as aucun diplôme dans ce pays-ci. Moi, j'ai des diplômes dans ce pays-ci. D'accord? Une licence d'exploitation dans ce pays-ci. On t'a dit qu'on donne ça à n'importe qui. Une personne prend une licence d'exploitation de ce pays-ci, elle déchire ou bien elle jette. Tu sais ce que ça va lui causer? Hein? T'as dit, oui. Tu as un enfant? Tu as un enfant qu'on prend ses doudous, on prend ses choses qu'il a attaché à ça depuis la naissance, on jette, tu sais ce que c'est, ça n'a pas de prix. Si tu es idiot, si tu es bête, s'il te plaît, hein, attention, hein, voilà. Donc ne prononce plus mon nom, s'il te plaît, voilà. Gère ton couloir. Tu te dis président des influenceurs, des influenceuses qui ont les charismes d'huître et les cervelles de moineau. D'accord? Et président des influenceurs, tu ne peux jamais être président dans mon association. Tu ne représentes aucun influenceur camerounais. Voilà. Parce que même ce que tu parles, comment tu. Je ne t'ai pas vu débattre d'un sujet bien. Tous les sujets dont tu débats, c'est seulement pour mendier les étoiles et tout après. Tu parles un des. Hey, merci pour les étoiles, hein. Hein, oui, machin. Tu parles de quoi même? Tu parles de quoi dans tes directs? C'est quoi le sujet? Tu parles de quoi? Tu es comme ces idiotes-là. Tu parles de rien. Et toi, tu as venu dire que j'étais de. Toi qui? On se connaît? T'es qui? Discuter 2, 3 fois avec une personne ne veut pas dire que tu la connaisses. Hein? Arrêtez. Tout ça, c'est parce que, comme vous me suivez là, vous ne les suivez plus. Et comme je vous ai dit, ne donnez plus. Vous ne donnez plus. C'est comme ça. Regardez-moi un gars. Mais t'es un pète-nom, toi. Mais tu t'es vu, toi. Toi, tu peux être président des blogueurs. La petite Manouchka, comment elle s'exprime. Toi, tu peux être son président. Parce que voilà une petite blogueuse. Elle a les vidéos que 20 000, 30 000 vues. Toi, tu es là. Des fois, tu es connecté. Tu as 5, 6 personnes qui sont connectées. Et tu t'autoproclames président des blogueurs.
Qui va te recevoir au Cameroun? Hein? Qui va te. Et en disant, mon père Satan a dit, mais votre père Satan vous trompe. Votre père Satan vous trompe. Mais écoute-moi bien, réunissez-vous même ma mille. Je n'ai pas peur de vous. Vous avez affaire à une fille. Et ma chance pour vous, c'est que je suis dans la vérité. Dans même 10 ans, tu as vu, j'ai mon prénom. Mes livres, je vais écrire. Je vais faire les conférences. Mon affaire, s'il va aller partout, je vais écrire les livres, je vais faire les best-sellers. Parce que vous, vous êtes dans les buzz, les clashs. Vous inventez les histoires. Donc, vous prenez, si vous faites un buzz à 2 semaines et tout. Mon histoire est une histoire vraie. Et qui doit être connue de partout dans le monde. Et qui doit servir de leçon. Capiche? Voilà. C'est pas vos conneries là. Mais si mais ça va. Mais ça va. Non mais tu peux bien l'abri du bourg là. Eh vraiment. Des fois il y a pitié de moi-même. Vous riez même quoi. Non, des fois, elle pisse de moi-même. Elle m'a douce. Voilà. On m'a dit que vous aimez quand elle dit oui. Non, Nina, mais il fallait que je parle un peu de lui, que je lui dise. Il ne vaut rien. En fait, eux, ils veulent que je parle d'eux parce qu'ils pensent que si je parle d'eux, je vais oublier les 10 ponces. Mais vous parlez. Mais vous savez que dans la sauce d'arachide, des fois, on met un peu de jansan, on prend même la citronnelle, on lance dedans. On prend même le jambon, on lance dedans. Donc, pour cuisiner les 10 ponces, je vous prends, je rajoute, c'est la cuisine de visiter. Je vous rajoute, vous tout la pan, un peu de camé, un peu de fokwe, un peu de maléba 2 plus croix égale 23, un peu de l'autre là-bas, je prends, je jette dedans. Et ça va faire une bonne sauce. Je vais cuisiner votre les 10 ponces là, comme ça. Là. Vous allez vous asseoir, vous allez se m'en faire. Ok. C'est ça. Oui, c'est ça. Continuez. Vous ferez mieux de vous occuper de vos problèmes. Vous me laissez avec ma coco gang, on s'occupe de les réponses. Il est où votre problème si nous on s'occupe d'elle? Hein? Tous ces gens qui sont là, ils sont contre l'injustice. Voilà. Hein? C'est comme ça. Mais regardez-moi les gens comme ça. Ils sont là avec vous depuis des années, des incapables comme ça là. Hein? Incapables de créer un concept qui plaît aux Camerounais. Maintenant j'arrive là, capi, capi na capi et tout. Vous vous réunissez, vous pensez que vous pouvez mettre à terre. Ha! Massa. Mais vous avez la marche en parce que j'ai une équipe derrière moi, je ne suis pas seule. J'ai une équipe. J'ai les informaticiens, j'ai les ingénieurs, mais vous ne savez même pas qui est derrière moi. Moi, ils viennent seulement devant la caméra, là, ils parlent et tout et tout. Machin. Il y a des gens qui gèrent derrière. C'est qu'on est nouveau. Mais quand ils vont se mettre, ils vont vous poser, ils vont vous créer quelque chose dans Facebook que vous allez seulement poser les mains sur la tête que mais oui, je ne suis pas seule. Oui, j'ai une équipe. Une équipe que je salue d'ailleurs ce soir. Voilà, on ira loin. Hein? Non, elles peuvent pas. Elles peuvent pas. Non, en fait, c'est les filles quand elles disent, ouais, elle est en Suisse, hein? Elle a eu la masseur. Pourquoi un blanc te donne l'argent ici dehors, c'est facile? Ou bien pour être ici dehors, que tu as les business et tout, c'est facile? Il faut avoir la matière grise. Hein? Ça, c'est qui ça? On va travailler les amendicités. Ouais, les autres. Quand c'est des magiens là-bas, je ne peux pas aller leur dire ça. Va te faire foutre. Ils ne sont pas fatigués. Voilà, voilà. Bah, bébé, on est sur Paris. Hein. Maman, il est allé chez sa petite soeur et son petit frère là-bas. Il est parti chez sa deuxième maman. Là-bas.
Bah, médiation avec Lady Ponce, il n'y en aura pas parce que Lady n'a plus mes affaires. Elle a déchiré de sous chaussures, elle a déchiré mais tous mes papiers, elle les a déchirés. Ils n'ont plus mon ordinateur, ils pensaient qu'il y avait quelque chose à mon ordinateur. Ils n'ont plus rien, elle a déménagé. Elle a confisqué. Oui, c'est son travail, non? Le tout, c'est comme ils savent que c'est le dernier truc. Maman, je n'en carré ça. Alors, aux danseurs de la Ponce Attitude, on s'en fout. T'es gardé vos passeports ou pas, dès que vous arrivez ici, chacun yongo, prenez votre chemin, prenez votre route, vous partez, passez l'Olympia là. C'est l'Olympia du piment. Toutes les filles que vous voyez tapent la bouche et tout, et tout, c'est les vendeuses de piment. Et le piment ne se vend plus. C'est dur. Celle de Marie-Thérèse Babon qui était la présidente des pimenteuses ici, camionneuse, elle ressemble à une chauve-souris baveuse. Elle est l'ombre d'elle-même. La vieille chouette là, si vous la voyez, même le Ndiang Sang refuse de la mais elle est partie d'opposition partout. Babon, sorcière de ton état. Tiens, je suis venue vers toi. C'est toi qui dis sur Facebook, wow, on la cherche, on va la taper. Tu m'as vu à Saint-Ouen. Je suis venue, je me suis levée. Je suis venue vers toi. J'ai dit, MT, bonsoir. Tu as fait quoi? Tu m'as touché? Non. Réponds au Camerounais. Tu lui as dit que oui. J'ai vu Coco. Mais, grande soeur, mais attends un peu, mais tu as pu sortir dans Paris. Même dans ton camion, tu n'iras plus. Je suis un élément. Il va te ramener les Nigériens, les Guinéens. Il dit qu'il n'y aura plus moyen de chercher tes 20 euros dans ton camion. Vos histoires que vous faites là, que vous machin et tout, mais vous n'avez pas encore vu une fille. Vous me connaissez? Mais faites vos choses là, seulement que vous parlez sur les réseaux sociaux là, la personne qui va me toucher, tu n'auras plus jamais. C'est-à-dire, quand tu me touches, hein, il faut que je meure. Même si je meurs là, mon fantôme ne va pas te laisser tranquille. Donc, arrêtez de faire vos conneries là que, oh, un coco, un machin, et tout. Touche à mon chou. Vous avez vu Lady, non? Lady savait qu'elle pouvait avoir ça. Voilà quelqu'un. Le village de Lady Ponce lui a demandé de ne pas chanter à l'enterrement. Pourquoi? Faites le bon Congo, ça dit non. Non, j'ai le Congo, ça depuis hier. Les gens vont faire un meilleur coup pas. Je vous prie. Où est là, elle a tout perdu. Les moi, c'est les affaires. Mais toi, où tu es là, on voit qui tu es. On connaît qui tu es. Et toute personne qui va se mêler de mon histoire, va avoir des problèmes. J'ai perdu, elle aussi, elle a perdu. Donc, si toi aussi, tu veux perdre là, viens t'occuper de mon problème. Derrière vous, les astronautes là, vous avez déjà beaucoup perdu. Hein. Les gens ne vont plus cotiser pour vous. Ils font que la bouche franquille. Je suis partie. Il dit que Babonga était là comme ça. S'il y avait le cruel angle là. Et le jour là, j'étais. Oh, merde, j'étais Nyanga le feu sort. C'est-à-dire, petite fille, bon chic, bon genre, vous avez vu comment je m'habille là. Voilà, j'avais un peu d'argent dans mon sac là. Voilà, j'étais là comme ça, bien genre. Et la maman du restaurant, là, elle m'adore. Donc, j'entre dans sa cuisine, je parle, je me sers et tout. Et tout Babon a vu que mais donc j'ai mes repères, même comme ça. Mais Babon, tu me connais. Toutes les mamans qui ont les restaurants ici dans Paris, j'entre dans tous les restaurants ici à Paris, je fais ce que je veux. Si je veux, j'entre derrière la cuisine. Elles sont même contentes. Oui, tu as vu la maman là, le restaurant, le Bonhabili, c'est ma mère. Si je veux, comme je suis revenu en région parisienne, il dit que la mère donne-moi les clés. À un moment donné, les clés, je relève le restaurant là comme ça parce que depuis que sa soeur est morte, elle est seule, elle est un peu abandonnée. Je reprends ce restaurant, je le relève. Si je mets seulement que Coco, je suis là-bas, dans tel restaurant. Ceux qui aiment ma cuisine, ceux qui veulent m'encourager vont venir. Babon, tu es là, tu tapes la bouche. Tape la bouche avec tes camionneuses là-bas. Tu ne peux pas avec moi. Tu me touches ici dans Paris, tu vas voir. Parce que peut-être, vous allez vous taper la bouche derrière les écrans, vous ne savez même pas qui est derrière moi. Je suis revenue dans Paris pour vous montrer que je n'ai peur de personne. Et dans Paris, là, je vais sortir dans les. C'est-à-dire, aller dans les concerts, aller partout.
que celui ou celle qui a les couilles me touche, vous allez voir quelque chose. Jusqu'au Cameroun, ça va se passer. Je suis dans Paris, je suis revenue dans Paris. Je vais sortir. Ce soir même, d'ailleurs, je sors. Je vais au Bikuti, au Mandjak. Que la personne qui les a bien grosses vienne me toucher dans Paris. Je suis au Mandjak. Oui, il m'avait suivi l'orchestre là-bas. Ce soir. Oui, Rose, écris-moi sur Facebook, tu as mon numéro. Voilà, ceux qui veulent téléphoner, téléphonez. Bébé, hein, je n'ai pas là ce soir, donc vous pouvez téléphoner. 06 11 51 54 80. Veuillez téléphoner. Donc voilà mon numéro, tu peux l'appeler. Virginie, tu as bien fait la campagne de son truc. Tu veux vraiment quelqu'un. Est-ce que vous pouvez comprendre quelque chose que nous, on n'a pas un problème avec le cancer de cette fille? Le conseil de cette fille, moi j'ai commencé ma neuvaine. Quand elle a vu que j'ai commencé ma neuvaine, c'est là qu'elle a lancé que wow, Olympia. Donc ça, on le sait. Donc c'est une opportuniste. Mais ce qu'elle a, c'est qu'elle pensait que ça allait prendre. Mais ça n'a pas pris. Elle pensait que ça allait prendre si elle mettait les gens à m'insulter et tout pour me museler. Mais bien au contraire, ça a éveillé des consciences. Lady, tu n'as pas la vraie. Tu n'as pas la vraie diaspora avec toi. Va dire à Aline que moi-même, je la calcule aussi. Oui, tu dis que Aline me calcule. Va dire à Aline que moi-même, je la calcule. Nous tous, on est dans les calculs. C'est-à-dire, tu me calcules, je te calcule. On est dans les calculs. D'accord. Va dire que comme elle me calcule, moi, elle la calcule. Si elle est une femme, qu'elle fasse bim de mon nom sur son mur. C'est tout. Elle fait bim, je riposte. C'est tout. Non, elle peut me dire ici qu'Aline me calcule et tout et tout. Appelez. Si vous n'appelez pas, ben j'arrête. Hein. Merci à la veuve qui me soutient. Bonsoir, mon Jean. J'ai dit que les livres vont sortir. Plusieurs livres. La tenue blanche rend les commentaires invisibles. Boubou, tu sais, je m'habille beaucoup en blanc, hein. En été comme ça, je porte beaucoup de couleurs blanches, donc vous allez souvent me voir en blanc. L'été. Bonsoir, Lisa. Mais bon, on va créer une bonne page avec un nom joli, vraiment, parce que là, j'ai voulu mettre Coco Lago. Phoenix TV, mais ça m'a mis la go deux fois. Et depuis, j'essaye de faire changer. Facebook, là, est devenu très compliqué. Donc, je pense donner un peu. Ça dit, moi, je voulais qu'on mette le Phoenix TV by Coco Lago. Donnez-moi un peu les noms qui vous plaisent. Ce Coco Lago TV, ok, bon. Je pense aussi on mettait le Phoenix TV. Est-ce qu'il y a un Phoenix TV au Cameroun? Maman allait dîner après la mort de sa... Je t'ai dit. Oui, qui est au là? Mais faites-nous le Congo, ça. Depuis hier, là, vous êtes tellement étonnés que vous avez seulement peur de venir nous dire que c'était le Naélélé Popo là-bas. Venez nous dire, on sait que c'était le Naélélé Popo. Arrêtez de cacher. Shakiro dit que je suis sa soeur. Ben, c'est mon fils. Ouais, c'est mon petit frère. On ne rejette pas quelqu'un. C'est une créature de Dieu. Positive Diaspora TV, ok. Non, donnez-moi le nom de la chaîne. Pour qu'on change, on fasse une page et puis on garde ce nom-là. Capi les 257. Tommy. Tommy, toi, tu es dans tes ouais. Non, je laisse rien, toi aussi. Comment tu peux me dire de laisser? Phoenix au Colago TV, ok.
Cause Coco, Capi de Capi 237, True Talk by Coco Lago, La Team Positive, Le Phénix Indestructible. Et... Merci beaucoup, Toby. Donnez les noms, non. Coco Mimbang Tifi. Non, 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 les Ben Chéri, non, non. Mimbang Zélédis. C'est elle qui suce les noyaux, hein, pas moi. Donc, ne changez pas de tout quand vous êtes bête là. Coco conquiert les astronautes. Télé-vérité. Oh, ça fait un peu simple, non, ma Judith, ma soeur chérie. Ça fait simple, non? Télé-vérité. La zone transparence. On laisse Capi les Capi. Nucléaire capitulé. Et Coco Capi. Coco Vérité TV. Hein? Donnez un peu les noms qui font rigoler, non? Oh, vous aussi. Vous êtes quoi là à l'école? Donc, tout pour vous est sérieux. Mettez un peu de piment, un peu de sauce, tout ça là. Hein? La Capi TV, les 237, c'est mieux. Hein? La première Capi du 237, Phoenix Coco Lago TV, Coco Lago TV. On nous connaît derrière Coco Lago TV, on nous a déjà signalé. À bas les aigus TV, Michel, Poutina Forza TV, Alain Touch, alors dedans. Bangala Tordu, laisse mon profil là comme ça, le profil là va me manquer jusqu'à. Capi Vérité, Kalachnikov, Coco TV. Le nom de ça, il t'a dit que je dis. Il a qu'à Axel Tata, laisse-toi, tu gagnes tout alors. Mamie Justice TV, Poutine 257, Coco Tsunami, Capi Novella, non. En direct avec Coco Lago. Non, ça va un peu faire comme si on veut imiter l'autre en direct avec Doudou. Non, 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 nous sommes intelligents. Coco Lago Live TV. Ouais, c'est simple. La Terminator de Waka Coco. Anti-Mimbang TV. Mais Ami. Tant que tu fais des ordres, il dit que anti. Hein? Et là, il dit, Poutine a dit 237, que Colet dit Mimba, je ne te peux pas. Ah, elle est petite sanguine, tant que tu dis ça, non. La chicotte des pimentières. TV casse noyau. Poutine, Coco Poutine. Mais vous savez que peut-être c'est le nom Poutine là qui fait qu'on bloque les pages. Hein? Hein? L'enfant va pleurer ailleurs, tout ce qui incite à dire maintenant sans ses ennemis, et puis parce qu'elle dit elle est amie avec quelqu'un, elle-même fausse. Le bombardier Capi. Quand je croise les gens maintenant, hein, Capi, il vient me faire ça, Capi, il me salue comme ça. Je suis en train de lire, donc je dis, elle a l'air du TV, Capi, vérité. Poutine fracasse de Mimbang TV. Ah, ça me voit, mais. Ouais, je suis que vous-même, vous êtes en train de rire chez vous jusqu'à vous rigoler. Vous savez que des fois, même, je remets les directs là, je suis les directs, je rigole. Je regarde comme ça et je dis comme. Non, je rigole, mon corps. Et voilà la famille. Bah, personne n'appelle ce soir, bah, c'est bien, comme ça, on va vite arrêter. Maman, la fille a coupé. Maman, est-ce que vous avez vu ça? Sa mère est morte en 81. Elle est née en 81. Hey, maman, les filles sont sorcières ici dehors. Mais les dit, tu es une sorcière. Hey, maman, tu pensais que les Camerounais n'allaient jamais être au courant. Que tu avais fait le combat comme ça. Ta mère est morte en 81, toi tu es née en 84. Maintenant, si on va au tribunal, toi et moi, ça veut dire qu'on va t'enlever tes papiers en France. Tu n'as plus rien où tu es là. Ma soeur, et tu continues de faire que les gens m'insultent. Hein? Au tribunal, on prouve que ta mère est morte en 81. Toi, tu es née en 84. Tu sais ce que ça veut dire? Hey! Après, on va encore venir. Les Camerounais vont encore venir dire que, wow,
C'est moi qui t'ai mis là les problèmes. Hein? Joël, tu es une grosse sorcière, Coco. C'est tout. Je suis la première sorcière du Cameroun. Et alors, petite chiotte, tu ressembles à tous ces petits qu'on bombarde le derrière, là-bas, la ponce attitude-là. Hein? Est-ce que tu es une grosse sorcière? Ah, oh, je pleure. Elle m'a dit que je suis sorcière. Chouaille. Brigade de la diaspora positive, oui, ça c'est pas mal ça. Capybrassa TV, Coco Intelligence TV, yes, that is good, hein? Ça fait CETV, yes. Donnez les noms au moins que quand on abrège, ça donne quelque chose de très joli. On va vérifier la souche, oui, Mylène, on va vérifier la souche, Lady, on va vérifier la souche de ton âge. Oui. On va voir que tout ici en Bénin faux. Les papiers de tes enfants faux. Ils ont été reconnus par un monsieur qui vient de passer 5 ans en prison pour proxénétisme faux et usage de faux. Tu vas tout perdre. Ça prend le temps que ça va prendre, mais tu vas perdre. Vous parlez de quoi? Vous voulez voir la sorcellerie? Installez-vous confortablement, vous allez voir la sorcellerie. Parce que quand une sorcière pense qu'elle est plus forte, elle dit, je vais te damner sur ton propre terrain. La sorcellerie. Mais moi, elle te dame avec la sorcellerie des blancs en pleine journée. Te dame. Voilà. Maman, rien n'est impossible. Maman, le tout, ça là, on n'avait jamais vu, maman. Hey! La seule musicienne qui est née 3 ans après la mort de sa mère. Wow! Bipez-moi toutes les musiciennes. Coco Argenté, bravo pour ton fils. Bravo pour mon fils. Mon petit neveu chéri, bravo pour ton bac. Vraiment. Voilà alors une vraie maman. Une femme qui est mariée. Une femme que ses enfants vont à l'école. Une femme qui fait la musique. Que la chanson, les chansons pénètrent comme ça. Elle chante en anglais. Elle chante en français. Les mélodies sont là. Tout est là. Tout est là. Et son fils a eu le bac. Lady Mimang, ton fils a le bac. Voilà un petit garçon. Coco Argenté, ta petite soeur de loin derrière. Son fils a eu le bac. Ton fils a le bac. Ton fils a le bac. Viens dire aux Camerounais ce que ton fils fait. Hein? Écarteuse, jalouse. Voilà un enfant qui a eu le bac. Son enfant a eu le bac. Hey! Il faut boire le champagne de ça. Voilà. Mais Dieu a encore tout. Elle parle allemand aussi. Tu as vu ça? Hein? Le programme des obsèques, Mylène, le programme des obsèques est balancé partout. Elle a sorti la chanson, non? Elle a sorti la chanson dans la chambre. Voilà une fille. On te demande d'aller voir ton frère. Tu arrives au Cameroun. Normalement, ton frère est mort chez toi à la maison. Ton frère est mort sur ton canapé à la maison. Normalement, quand tu arrives au Cameroun, comme tu es arrivé dans la nuit, le lendemain matin, tu devais partir. C'est-à-dire à la mort. Où il était à la morgue, où c'est à l'hôpital central, où c'est où. Tu pars, tu pleures. Hey, Lucas, hey, oh, bon, maintenant. Hey, oh, yo, bon, qui a fait dit, et tout, machin, tout, tu n'es pas parti à la morgue voir ton frère. Ce que tu as fait, c'est que, comme depuis qu'il est mort, là, son fantôme se balade dans tout le camp. Tu as fait venir les prêtres. Il t'a dit que le tout, si, même si c'est tous les évêques du Cameroun qui vont prier chez toi. Le fantôme de Lucas n'a pas parti jusqu'à ce qu'il te prenne. Il est venu, il a venu te chercher. Comment tu peux vendre le premier enfant de tes papas, de tes parents? Un aîné, même s'il était pauvre, c'est lui qui porte toute la sagesse et tout. Nous, tes démons là, tes totems l'ont étranglé. Il est mort comme ça, il face à mon côté. Il a seulement couché comme ça. Quand on est venu le trouver, vous avez déjà vu où quelqu'un est mort sur le canapé et il a les babouches aux pieds. Hein? Beaucoup quoi, vous, quand c'est vous en confiance, à mon collègue, je rembim. Oh, il y en a là, hé.
Et vous? Donc, tu arrives au Cameroun, au lieu d'aller à la morgue, comme nous tous on fait que quand tu arrives au Cameroun, ta personne est morte. Mais ça, le lendemain, tu pars quand même à la morgue, tu pars pleurer là-bas. Hey, wow, qui brave maintenant, hey, qui bon, hey, qui a coulé, tout et tout, machin, tout. Maintenant, tu pars, maintenant, tu commences à organiser les obsèques et tout et tout. On te demande d'aller à la morgue voir ton frère. Toi, tu viens nous sortir une chanson où tu pleures. Nous sommes habitués à tes fleurs, à tes pleurs là. Nous sommes déjà habitués à tes pleurs. Si tu ne connais rien sur sa mort, pourquoi tu refuses d'aller regarder son cadavre? Pourquoi? Pourquoi tu ne pars pas? Fallait partir. Oui, il va venir la chercher. J'ai dit à la fille de Lucas, parce que Lucas avait une seule fille. Si tu as envie, ma chérie, que tu m'écoutes ce soir, me canard. En clochant, parce que où vous êtes là, vous les gens d'Akona du village, les dit Ponce, moi je suis venu ici il y a un mois, je vous ai dit que elle doit absolument manger le mbarikwan. Tu la manges de Lucas. Il faut ni bonadi, nga botter dit, mi boya serle, j'espère que vous lui avez fait serle hier. Et que vous avez enterré Lucas. Avec tout genre de machin, et que quand vous dansiez les sani, vous aviez la flèche à main. Ah, c'est comme ça qu'on danse, avec la flèche à queue. Donc, on dansait avec la flèche à main comme ça. On chante les chansons, les sani. Alors, ceux qui connaissent pas les sani, c'est une danse traditionnelle et quand on danse, c'est la danse avec les morts, comme on dit. Ça veut dire que quand un mort, quelqu'un est mort et qu'on soupçonne qu'il est mort d'une mort bizarre, on fait les sani. Même s'il est mort d'une mort naturelle, on fait les sani. Et les sani là, que tu vois, on danse avec eux et les flèches et les bâtons et les trucs. Comme ça, donc c'est une façon de dire aux morts que si c'est quelqu'un qui t'a tué, la mort que tu es parti là, avec le goudin, si tu peux revenir, l'assommer, si, avec la flèche si là, tu peux venir le piquer, viens le chercher. D'accord? Bien sûr, Pierre, tu me prends pour qui? Moi, je suis une bibliothèque, moi. Je suis une bibliothèque. Vous reprenez là. Parce que d'autres viennent m'insulter que cuisinière ici, mon conseil. Moi, je lis. Hein? Je lis et je m'intéresse partout. La preuve, la cuisine camerounaise, je connais tout de la cuisine camerounaise. Vous ne savez même pas ce que je peux, ça dit ce que je peux faire de la cuisine camerounaise. Je m'intéresse à tout. Hein? Vous riez. J'ai dit que les sani là, alors, il fallait qu'on danse et ça, comme ça. Ça, bim. Bim, solo. Ça, bim. J'ai moi, on danse ça. Avec la salade et les femmes ont les trucs des bananiers sur elles, les feuilles qu'elles ont attachées comme ça. Et tout, machin, tout ça, et tout. Donc, toi, la fille de. Tonton Lucas, Mekana, Ninga fan, ukumu bon moi si, Natina, ozo, no tel, on a dit Zambabella. Au loin, si tu passes sur la tombe de ton père, tu l'appelles, tu dis qu'à papa, quick! Oui, deviens sorcière, ma soeur, que la personne qui a la main, sur la mort de ton père, le suive. Ah oui. Il n'est pas question que une personne vole l'âme de ton père et elle doit vivre. Bonya elle veut devenir célèbre. Il faut que ton frère sorte, ton père sorte de la tombe. Azibingwana. À combien écranglé, comme il a été écranglé, parce qu'il a été écranglé, parce qu'un gars ne peut pas aller boire les trucs au bar. Il mange même les bouillons, les soya et tout. Il revient. On le trouve une heure après que. Il est couché comme ça. Mort. Avec sans confiance au pays. Expliquez-moi un peu. Non, non, non. Devenez vous-même un peu les Colombos. Horatio. Sors de ce corps. Horatio, sors de ce corps. Expliquez-moi un peu. Expliquez-moi comment quelqu'un qui est parti boire le bouillon, qui a bu les bières et tout. Il vient seulement à la maison, qui se pose un peu, il retourne encore boire.
Quand les autres là-bas voient qu'il ne revient pas, ils viennent le chercher. On trouve qu'il est mort. Il est mort avec les babouches au pied. Hein? Normalement, quand quelqu'un veut se reposer, mais tu enlèves les chaussures au pied. Ouah, mon go. Comme ça, tu te mets bien sur le canapé comme ça là pour te reposer. Non, il n'a pas enlevé les babouches. Il est venu le trouver comme ça là. Les pompiers sont venus le trouver avec les babouches là au pied. Parce que dès qu'on a trouvé le pied et tout, ça a commencé à crier partout dans les quartiers. Ce qui est en qui venait filmer, on appelait ceux du village que hé, hey, venez où? L'occasion de rombim. On a appelé les autres, les membres de la famille qui sont à Yaoundé, les deux, ils ont pris les taxis. Hein? Dans sa maison. Dans sa maison, l'affaire que vous entendez ici. Donc, où elle est? Au bout, elle a toute la famille sur elle. Elle a toute sa famille sur elle, comme vous la voyez là. Oui, elle a toute sa famille sur elle. Elle dit que c'est chaud sur elle. Lady, je t'avais dit que tu vois. Oui, tu vas voir. Quand tu es parti prendre tes totems là, on ne t'a pas dit que dans la vie, tes totems là ne doivent pas s'attaquer à tout le monde. Que ta petite sorcellerie là, tu ne vas pas la faire sur tout le monde. On ne t'a pas dit. Parce que dans chaque... Quand tu pars prendre tout... On te dit ce que tu fais là. Attention, ne mange pas le silu. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et elles interdisent. C'est-à-dire, on t'interdit certaines choses. On ne t'a pas dit que celle-là, il ne faut pas la toucher. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour, Coco. Bonjour. Je suis en direct. Oui, oui, vous êtes en direct, madame. Oui, oui, je voulais parler de Lady Ponce, là. Oui. Parce qu'à une époque, on était au Cameroun. Et on l'avait arrêté à l'aéroport avec... avec le corps humain à main, un restant du corps humain, à l'époque. Elle a eu affaire à la prison par rapport à ça, si je ne me trompe pas. Non, elle avait comment, les ossements ou bien un corps humain dans le sac, elle avait quoi? Les ossements ou le corps humain comme ça. Il y en avait deux. Il y avait les ossements et le corps humain dans le sac. Okay. On l'avait arrêté à l'aéroport. Quel aéroport, ma soeur? Aéroport de c'était Douala ou Yaoundé, un truc comme ça. Okay, à l'époque, ça, il y a de cela longtemps, hein. Ah bon? C'est parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ça quand il était avec son mari, Momo Faya. Les ossements? Oui, les ossements. Non, c'était même pas les ossements, c'était un corps humain. Okay, un corps humain. Elle a voyagé avec le corps humain. Elle voulait voyager avec, elle voulait aller dans un pays avec, on l'a arrêté à l'aéroport. Il y a de cela longtemps. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. C'est une sadique, hein, quand il sortait avec Momo Faya. Oui. Oui, je me souviens, on avait dit que c'était les ossements humains, oui. Oui, ma soeur chérie. Je dis qu'elle est vraiment sadique. Maman, comment tu peux voyager avec les ossements humains? Oui, on l'avait arrêté une fois, elle avait fait la prison, hein, quand elle était avec son mari, Maron Faya. C'est pour ça qu'elle... On l'avait arrêté. Oui, on l'avait arrêté à l'époque, elle avait fait la prison. C'est pour ça qu'elle ne veut absolument pas qu'on parle de son mariage avec Mongo Faya. Absolument. Ben oui, à l'époque, là, c'était très chaud, hein. Elle se dissocie de ce monsieur, Red. Oh, d'accord. Mais c'était son mari. Oui. Donc, on l'avait arrêté avec les ossements humains, avec un restant de corps humain aussi. Ah. À l'époque, j'étais encore très petite, on entendait ça. Elle était dans les presses, hein, partout au Cameroun, là, c'était dans les presses, hein, les journaux. Oui, hein. Oui. C'était dans les presses, oui, les journaux, oui, je me souviens. Voilà. Ça, des ossements humains, ouais. Oui, voilà. Donc, c'est une sadique, même les gens qui marchent avec elle, vraiment. Les gens qui marchent avec une femme qui a une histoire noire, vraiment. Je ne comprends pas ce que ces gens-là ne sont pas aussi bien. Voilà ça aujourd'hui. Me voici aujourd'hui que j'ai tout perdu, elle m'a tout volé. Hey, ma soeur chérie, vraiment, merci beaucoup. Oui, c'est vrai que cette histoire-là, c'est vrai. Mais oui, mais c'est parce que tu avais eu des problèmes, tu es parti tomber entre ses mains, sans connaître son histoire. Parce que dans la vie, quand on est... parce que quand on est en Europe, parce que moi, je suis en Europe, quand on est en Europe, on a un problème, on ne sait pas ça. C'est ça. À quel sens de vouer. On tend la main. Voilà. N'importe quel sorcier peut te tendre la main et tu pars parce que tu ne connais pas la Wali. Donc, Ben écoute, merci ma soeur chérie pour ton intervention. Merci beaucoup. Oui, parce que là,
Il faut dire ça aux gens, hein. Les oui, gens doivent savoir ça. Tout à fait. Les gens qui nous suivent doivent savoir ça. Tout à fait. Que c'était une histoire, j'étais encore très jeune au Cameroun. Mm-hmm. On parlait d'une femme, elle était sortie dans les presse dans la avec son mari Mongo Faya. On l'avait arrêtée à l'aéroport. Oui, avec les autres humains, elle est un reste humain entre ses mains. Mm-hmm. On l'avait arrêtée, elle voulait voyager. Oh là là. Ben oui. Oh, elle était sortie dans les journaux, oui, c'est pas oui, parce qu'on ne veut été, pas parler de, on ne veut pas parler de ça maintenant. Mm-hmm. C'est parce que l'État camerounais ne veut plus parler de ça. Donc c'est une histoire que les gens ne doivent pas oublier au Cameroun. Tout à fait, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Tout à fait. Donc voilà, mais mm-hmm. moi je me plains aussi des hommes qui sont avec des diables pareils. Hein, parce que si on arrête déjà une femme avec les instruments humains, mm-hmm. c'est qu'elle n'est plus une humaine. Non, elle, non, est plus, elle n'est pas humaine, c'est un animal. Moi, je connais un monsieur qui est sorti avec elle qui dit que même quand elle est déshabillée, elle ressemble pas, que c'est pas un être humain. Il dit Ngono, ce n'est pas un être humain. Quand un Mais homme oui. qui a vu une femme à poil qui a couché avec te dit déjà ça, ça veut tout dire. Mais les oui. gars, vous mettez vos bandits dans les lasses du serpent. Donc, si à l'époque on l'arrêtait avec ça. Donc, c'est pas la première fois qu'elle fait des choses comme ça. Non. Donc, ils avaient l'habitude avec les Mongo Faya de tuer beaucoup de gens qu'on n'a pas connus. Donc, ils ont fait beaucoup de choses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Oui, en Guinée, parce que si on a déjà arrêté avec ça, donc ça veut dire que le sang de celui-là était tellement fort qu'on les a arrêtés. Donc, ils ont eu à faire beaucoup de choses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Tout à fait. On l'avait arrêté en Guinée aussi. C'était sorti aussi dans le journal. Voilà. On l'avait aussi arrêté en Guinée. Oui. Voilà. Trafic, donc, et voilà. Tout. Ouais, c'est vrai. Bah, vous avez une mémoire très 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 voilà. Oui, merci. Parce que vous parlez des choses, mais je sais que vous évitez de parler ça. Mm-hmm. Mais j'ai voulu sortir parce que depuis ce n'est pas encore sorti de votre bouche. C'est vrai. Et je voulais que le monde entier puisse savoir ça. Savoir. Oui, c'est vrai. Ils doivent savoir qui est cette fille. Oui. Qui est au Cameroun. Tout à fait. Donc c'est une sorcière patentée. Mm-hmm. Tout à fait. Donc les gens qui marchent avec elle, je me pose la question de savoir. Eux-mêmes sont sorciers parce que quand on voit ben vraiment oui. le charisme d'une femme comme ben Marie-Thérèse oui. Mabon. Mais Marie-Thérèse Mabon ressemble à une chauve-souris. On l'a déjà accusé dans un pays. Mais à l'époque, est-ce que vous savez qu'à l'époque, on ne connaissait même pas qu'est-ce que c'est que les êtres humains, c'est ça? Les instruments humains? Ça à l'époque, oui, il n'y avait même pas non, encore son même, c'est vrai. Il y avait la loi au Cameroun qui était rude, comme je vous dis, rude. Mm-hmm. Imagine, à l'époque, il y avait la loi qui était rude au Cameroun. Ça. Et on l'attrape une fois non, comme non, elle sera connue. Ah, mais voilà, elle a fait la prison, hein, oui. avant de sortir, hein. Oui. Donc, imagine, au Cameroun, il y avait la loi qui était vraiment... C'était rude à l'époque, on l'attrape avec les ossements. On la soupçonne même si aussi. Si on l'attrapait maintenant, on devait dire que le Cameroun est pourri. Oui, mais oui. à l'époque, j'étais encore très jeune. Hein. Oui, on la soupçonne hein. également. Ouais, on la soupçonnait mm-hmm. également d'une histoire de trafic qui avait des enfants à Mimbobane. Mm-hmm. Ah ben voilà, voilà. Oui. Donc elle a fait. C'est une fille qui a fait oui. beaucoup de choses. Oui. Même si le gouvernement supporte cette fille-là vraiment. Je elle ne pense devait, pas. Et aucun membre du gouvernement n'aimerait être associé à cette sorcière-là. Oui. Parce qu'elle n'est pas faite pour vivre au milieu des êtres humains. Aucun membre. Être humain. Lady, tout va sortir. Les enfants de Mimbomane et tout, tu étais mêlé à ça. Lady, tu fais du trafic au Cameroun depuis des années. Tu tues les enfants des gens. Tu trafiques oui, les ossements humains. Donc maintenant, en pleine journée, tu viens voler une enfant du Cameroun. Ça veut dire que tu tues. De Mongo Faya, les gens avaient peur de ce monsieur de Mongo Faya. Mmh. Oui, c'était un marabout. Tu touchais une de ces femmes, tu mourrais, hein. Oui. Tu ne touchais pas une de ces femmes, hein? Oui, c'est vrai. Mais c'est des femmes... J'ai dit, même dans sa mort, des femmes qui ont ma fait soeur, des choses bizarres au ma soeur, excuse-moi, hein? C'est tout, à l'époque, oui. c'était pas facile, hein? Tout à fait. Tu fais n'importe quoi au Cameroun. Excuse-moi, je ne te coupe pas la parole, mais même comme il est mort, il la protège. Parce que cette fille-là ne peut pas rester avec un homme. Dès qu'elle avait un homme-là, elle a déjà ruiné. Elle dit à l'homme qu'on va se marier et tout machin, tu qu'avant le mariage, ça se gâte. Elle a déjà, c'est-à-dire elle s'est déjà fiancée peut-être à 10 gars, en quelques même années. Ces gars, c'est parce que les gens ne parlent pas dans les archives. Mm-hmm. On dit toujours dans la vie, quand tu veux épouser une femme, il faut savoir son passé. Mm-hmm. Si vous partez dans les archives, dans les journaux du Cameroun, mm-hmm. dans les CATI, vous allez voir ce journal-là. Tout à fait. Ça existe encore jusqu'aujourd'hui. Mm-hmm. Oh, bien chercher sur le net et tout. Oh, mais chercher les coupures. Criminels, là, la Coco Gang, cherchez-nous les coupures de journaux. Cherchez-nous des vidéos. Trouvez-nous les coupures de journaux et tout qui parlent de Lady Ponce, trafic d'ossements humains. On a besoin de ça. J'en ai besoin pour le tribunal aussi.
Dès que vous trouvez l'article, là, vous me centrez ça. 06 11 Je ne suis pas au 51 Cameroun, ma fille. Je ne 54 suis plus au 80. Cameroun. Hein. Oui, non, Je ne même suis pas au sur Cameroun. Internet, on va trouver sur Internet, il y a Oui, tout. si vous tapez sur Internet, vous allez trouver, ma fille. Si vous tapez Google, vous allez trouver cette fille-là. Je vous jure sur la tête de mes parents, vous allez trouver. Non, c'est À là. l'époque, j'étais Non, encore le très sait. jeune. Et on avait tellement peur de ce monsieur de Mongo Faya. Même quand on regardait à la télé, on avait peur. Tout à fait. Tout à fait. Ok, ma soeur chérie, bah, écoute, je Allez, te bonne souhaite soirée à vous. Hein. bonne Ciao, ciao, soirée. ciao, ciao. Merci, à bientôt. Au revoir. Oh, la sorcière du Cameroun. Sorcière, tu es parti faire quoi dans la musique camerounaise? Tu es parti faire quoi? Dès que tu es arrivé dans la musique camerounaise, il a commencé à avoir des problèmes. Les mamans Kachino sont là depuis, il n'y a jamais eu ce genre de problème. Depuis que tu es arrivé, tu as commencé. Ingrate, c'est toi. Sorcière, c'est toi. Les problèmes, c'est toi. C'est toi qui fais tout pour que tes soeurs aient les problèmes. C'est toi qui cognes les têtes. C'est toi qui machin. Maintenant que tu as traversé ta sorcellerie, les trafics que tu fais depuis des années, tu as dit, tu viens en public maintenant me voler. Tu me voles une licence d'exploitation. Ça veut dire que, ou si je dois ouvrir mon restaurant, il me faut ma licence d'exploitation. Elle a ça. Vous vous rendez compte? Elle a ça. Elle a ça. Elle a déchiré. Oui. On ne donne pas la licence à n'importe qui. Elle a déchiré ça. Mais tu m'attends un peu. Mais attends. C'est au moins 10 livres. Il t'a dit que j'allais te faire la neuvaine. Voilà la neuvaine qu'il fait. Là, ce soir, il t'a dit que les livres commencent à sortir. D'ici 2 mois, là, le premier livre sort. J'ai écrit sur toi. Je suis sur toi. À vie, je suis sur toi. À vie. Il n'y a personne qui viendra me dire que laisse la faire là. Je dis bien personne, je suis sur toi. Le monde entier doit m'entendre. Ouais. Parce que depuis, tu fais les trafics, tu fais les mauvaises choses et tout. 2013, pas. Envoie-nous Elisabeth, s'il te plaît. Colle-nous le lien. Colle-nous le lien. Cameroun Info Net du 4 février 2013 parle de cette histoire. Fais-moi les captures d'écran, Elisabeth, tu me les envoies, s'il te plaît. Fais-moi les captures d'écran, tu me les envoies au 06 0033 6 11 51 54 80. Il faut qu'on repartage pour que les gens lisent, pour que les gens ne voient pas que ici, dans mon émission, on raconte des histoires. Voilà. Donc, elle a été accusée en 2013 de trafic de semen humain. C'est dans les journaux. Donc, trouvez tout. Si vous trouvez des petites vidéos, des coupures de journaux et tout, faites des captures d'écran de tout, 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 tout. Et puis, vous m'envoyez. On repartage demain. On est sur elle. Lady, toute la diaspora positive, fais la neuvaine sur toi. Nous allons t'exorciser de gré ou de force. Là. Nous sommes sur toi. On va t'enlever les démons. Oui. C'est comme ça. C'est pas un problème. Alors, je fais comment? Problème, il y a les souches, d'accord. Écris-moi inbox comment je dois faire pour les souches, pour que j'ai de nouveau, pour que j'ai ma licence, que je récupère ma licence d'exploitation, que je puisse récupérer mes autres diplômes. Il y a les diplômes ici que pour qu'on te donne la carte de 10 ans, tu vas où c'est laïque, où c'est quoi, quand tu fais là-bas, on te donne un diplôme qui est équivalent du bac. Du bac plus, c'est quoi, bac plus 3 ou bac plus 4? Ouais, j'avais fait ça aussi. Et tout. La connasse, elle m'a déchiré tout ça. Ben oui. D'accord, envoie-moi ça, s'il te plaît. Merci beaucoup. Oui, mon histoire, tout ceci est sur, mon histoire est sur Google, mon histoire est sur YouTube, mon histoire est partout. Toutes les vidéos que je fais là, il y a quelqu'un, après il a téléchargé, c'est parti sur YouTube, hein. Ça c'est à vie, hein. Ah oui. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de Français qui me suivent, il y a beaucoup de Luxembourgeois, bref, je suis suivie partout dans le monde. Mon histoire pourra même faire un livre, hein. Mon histoire fera un livre, ça peut même faire un film. Oui, j'aimerais bien moi-même jouer le rôle. Voilà, on voit comment elle m'a abandonné avec les enfants pendant le Covid, comment je soufflais et tout. Voilà, on va tourner un film même sur mon histoire. Allô? Allô? Bonsoir, comment tu vas? Non, un peu mieux, Coco. Et vous?
Ça va très bien. Baisse un peu le volume, papa. Baisse le volume là-bas. Ouais, je quitte là à côté, s'il te plaît, 2 secondes. Ouais, Coco, cette histoire de Lady Ponce et toi, je ne veux pas que ça devienne comme si nous sommes un peu partout. Suis-moi et la Coco Gang attentivement. Toi, tu demandes tes effets à Lady Ponce. C'est pas seulement les mamies. Il y a tes effets personnels et tes papiers. Du Camer est sorti. Lui, il y a quelqu'un qui se pavane. Et même sur le Facebook, il s'appelle Du Camer. Il sort le toujours. Il commence. Suis-moi. Je ne veux pas que tu m'interrompes. Non, non, j'écoute. Il sort le toujours. Il dit que Coco Lago, tu dois laisser cette affaire et tu passes à autre chose. Je ne sais pas où est la justice. Je ne sais pas comment l'être humain, je ne dis pas Camerounais ou bien Africain, comment l'être humain est. Depuis que tu plais tes affaires, je n'ai jamais vu Du Camer sortir, gronder comme il a grondé l'autre jour. Que non, Lady Ponce remet les affaires de Coco. Mais quand tu plais tes affaires, il trouve le temps pour venir te narguer. Et il te dit, laisse ça, tu passes à autre chose. Si facilement comme ça, laisse les mamies, tu passes à autre chose. Et je veux dire à Du Camer, je veux m'adresser maintenant à Du Camer, parce que je sais qu'il te suit. Quand vous pavanez là, si tu n'as rien à dire, tu la fermes. Tu n'as pas de morale à donner à Coco. Est-ce que tu es venu déjà t'asseoir et dire à Coco, à l'aide de remettre les choses de Coco? Non. Mais tu trouves le temps de venir dire à Coco que tu en fais déjà trop. Laisse passer, passe à autre chose. Elle passe à autre chose comme ça, avec les mains vides. Vous trouvez ça normal? Quand vous n'avez rien à dire, fermez un peu vos bouches là. Laissez cette chair de manipulation. Hein? Je prends maintenant, ou bien elle s'appelle, ou bien c'est Loulou Fondia. Coco, tu ne demandes, tu n'as jamais demandé aux gens de venir te supporter. Si quelqu'un n'a rien à dire, qui te laisse pleurer dans ton coin seul, parce que tu vas recommencer tes affaires. Loulou Fondia vient s'asseoir chaque jour, il dit qu'il ne met pas sa bouche dans cette histoire. Je ne veux plus que tu clashes. Ni Du Camer, ni Loulou Fondia, ne les clash pas, Loulou. Coco, s'il te plaît, ne les clash pas. Loulou Fondia vient s'asseoir, il dit, il ne met pas sa bouche dans cette histoire. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Écoute la manipulation. Oh, Lady Post est une très bonne personne. Quand j'avais eu les problèmes, elle est venue, elle était au féminin comme moi, elle a laissé, elle a abandonné tout. Et donc, Lady Ponce est une très bonne personne. Et Coco Lago qui demande ses affaires à Lady Ponce maintenant est une mauvaise personne. Puisque tu ne dis pas à Lady Ponce de remettre les choses de Coco Lago, tu viens seulement donner les alloges à Lady Ponce. Hein? Et Coco, Lolo, quand tu n'as rien à dire, tu fermes ta bouche dans ton coin. Ferme bien ta bouche dans ton coin. Coco ne t'a pas demandé de venir te mettre derrière elle. Coco a sa bouche pour réclamer sa chose. Et le moment venu, elle va s'arrêter et recommencer ses activités. Il y a aussi cette voix qu'on appelle, où c'est Flor de Lille. Je veux m'adresser maintenant à Flor de Lille. Flor de Lille, je suis ici aux États-Unis. Paraît-il que tu viens souvent ici, on te donne l'argent. Tu te mets devant les Camerounais, devant les gens, tu comptes, tu nargues les gens. Je te le dis, ça ne va rien me coûter. Quand tu viens, le jour que tu vas encore venir ici, là où tu es, la nuit là que tu serais dans la maison, viens, c'est où? Là où tu serais là, moi je vais appeler 199 et je vais insister, nous serons peut-être 5 et on va dire comment toi tu viens prendre l'argent. Et tu sors avec cet argent sans même un franc de taxe. Je veux le faire. Je le jure. Je dis, je veux le faire avec mes gens. Et celui qui va t'inviter, il va dire comment toi tu viens prendre l'argent ici. Tu sors sans payer les impôts parce que nous payons les impôts ici. Nous payons les impôts ici.
tu viens, tu prends l'argent, tu vas t'asseoir, tu comptes, tu nargues les gens avec. Dis ta Fleur de Lys, le jour qui vient encore, qu'elle publie encore que je serai où à Maryland, ou bien c'est où, elle donne l'adresse. Je dis moi-même, même si c'est comment, je veux me débarquer là, devant là où elle est, là-dedans, j'appelle 911. Quand 911 vient, je vais les expliquer, je vais voir comment cette histoire va continuer. Mm. Parce que vous paraît-il que vous prenez cette histoire de Coco comme je si dit, elle est... Je te dis, comme si je n'ai pas de famille, comme si je n'ai rien, comme si je ne suis pas camerounaise. Coco, si Flo vient encore ici, ça ne va rien me coûter. Je veux seulement l'adresse. Je veux seulement l'adresse. Mm. Tu me suis? Mm-hmm. L'adresse. Non, elle m'a il y a les flyers. Dites à Fleur de Lys. Oui, il y a même les flyers. Dites à Fleur de Lys. Le jour qu'elle vient ici, parce que tu ne peux pas venir ici, tu prends l'argent, tu sors avec sans payer les impôts. Et j'ai toutes ces vidéos, je vais montrer. J'ai les vidéos de Fleur de Lys. Je vais venir m'asseoir devant là où elle est là-dedans. J'appelle 911. Et quand 911 va venir, je vais expliquer aux policiers là comment ça se passe. Comment chaque fois elle vient ici. Et je vais expliquer comment sa porte-parole avait dit qu'elles sont les choses de Coco, elles ne remettent pas. Mm-hmm. Puisque Amazon avait dit, mm-hmm. Amazon avait déclaré qu'elle est la porte-parole de Lady Ponce. Mm-hmm. Tout à fait. Tout à fait. Hein? Mm-hmm. Elle est la porte. Et je vais dire. Ça ne va rien me coûter, vous allez comprendre. Ça ne va rien me coûter. Mm-hmm. Et personne, disons, nobody will touch me. Yes. Il n'y aura personne. Je dis bien, nobody. Il n'y a personne qui va. Disons, tu essayes de me effrayer, tu sauras. Mm-hmm. Personne ne peut m'intimider. Je veux le faire. Mm-hmm. Je dis bien, si Florent met pied ici, comme elle vient, elle partout, je vais appeler. Mm-hmm. Et je vais expliquer aux gens là. Mm-hmm. Je ne vais pas appeler seul. Nous allons nous rassembler peut-être 10 ou 5. Mm-hmm. On appelle. On attend devant la maison. Quand les policiers là vont venir, je sais qu'ils vont venir peut-être 20 cas. Mm-hmm. On va les expliquer avec les vidéos à l'appui. Mm-hmm. Parce qu'elle prend l'argent, elle nargue les gens. Nous payons les impôts ici. Nous payons les impôts ici. Mm-hmm. Elle vient prendre l'argent qu'elle a travaillé quoi. Mm-hmm. Nous payons les impôts ici. Mm-hmm. Nous payons les impôts ici. Mm-hmm. Mmh. Ah, merci beaucoup, beaucoup. Et merci bon à courage. Toi, Bro. Ben, écoute, porte-toi bien et puis bisous à la famille. Hein. Mmh. Merci. Bisous. Bonne soirée. Bye. Quelqu'un me dit que Lolo Fondia a fait un direct sur moi ce matin, c'est vrai? Lolo Fondia a fait un direct sur moi ce matin. Coucou Sissi, bonsoir. Ça m'étonnerait parce que si Lolo Fondia avait fait un direct sur moi ce matin, je serais au courant. Ou bien comme j'étais fatiguée. Parce que vous venez maintenant dans les directs, là, écrire les choses. Il faut que je sache si quelqu'un a réellement fait quelque chose. Si quelqu'un, si elle avait fait ça, je serais au courant. Voilà, merci Sandrine. Merci. Voilà. Ok. Voilà. C'est ça. Les manipulateurs. Les gens qui veulent la guerre. Ok. Super. Voilà. Ben écoutez. Si quelqu'un va encore appeler, appeler. Et puis après, on va se dire bonne nuit. Et puis à demain soir. Mmh. Exactement. Les abeilles de Flore qui venaient mettre. On vous connaît. Nous sommes sur Lady Mimba. Ouais. Elle a chaud. Chaud. Quand vous voyez d'abord qu'une personne fait derrière les trafics de semences humains, donc elle peut tuer. Elle tue. La fille là voulait me tuer chez elle. Mes affaires sont pas. J'aimerais que vous compreniez que mes affaires sont parties à ma place. Oui, c'est moi qui partais à la place de Lucas. C'est moi. La fille est revenue du Cameroun avec quelque chose.
je suis couchée comme ça avec l'enfant. Je pense que je vous ai déjà raconté cette histoire. L'enfant me dit que maman ne mange pas. Ne sors pas. Ne mange pas. Parce qu'il y a quelque chose dans la nourriture. Tu vas vomir noir. Je ne veux pas que tu meurs. Un enfant se réveille à 4 heures du matin. Il te réveille. Maman, maman. Il te dit ça. Après, je lui dis, dors, il dort. Le matin, quand on se réveille, je lui demande que... Tu m'as réveillé dans la nuit pour me dire quoi? Il me répète la même chose. Et... Quand Lady se réveille, je pars à la chambre. Et je dis que maman, l'enfant s'est fait un rêve dans la nuit. Il me dit que ouais, que je fasse attention. C'est ça où je vais manger et tout, tout machin. Elle me dit oui. Et elle a dit ne mange plus avec les gens de montage. Ici. Donc elle veut bien me dire que les gens de montage ils vont m'empoisonner. À montage, il n'y a que le Congo ça. Mais elle me dit que oh, c'est les gens de montage qui allaient même. Que elle, dans la nuit, même elle a dormi avec les grosses mouches noires partout. Maman, il y a les mouches en hiver. Alors, ceux qui sont au Cameroun, vous ne savez pas, mais en hiver, ici, il n'y a pas de mouches. Hein. Ou les mouches là partent, ou je ne sais pas. En hiver, il n'y a pas de mouches. Mais elle l'a dit, mes parents me disent que dans la nuit, là, il y avait les grosses mouches noires dans la maison. Elle a vu les grosses mouches noires. C'est mon fils qui m'a sauvé. Lady n'a pas vu le corps de son frère. Bon, il voit ça. Elle n'a pas vu son enterré. Mais moi-même, son enterré. Il dit que, Lady, il faut que Lucas vienne te chercher. Et tu sais que le sorcier, une fois qu'on a déjà percé l'abcès en public comme ça, c'est fini pour toi. Mais quand Lucas a zone, apparemment, tu n'as pas vu le corps de Lucas. Il faut que Lucas sorte de la tombe et vienne te chercher. Il doit venir te chercher, sorcier. Comme ça, tu ne vas plus tuer les enfants de plus. Oui, l'enfant avait vu. Je te dis. L'enfant avait vu. Quand l'enfant a vu ça, le lendemain, j'ai appelé son père. J'ai dit à son père que, hey, où l'enfant s'y voit, il y a des choses ici, vraiment, il y a un danger ici. S'il te plaît, viens prendre que. Oh, Fatih, vous savez, il n'y a pas encore. Vraiment, je ne suis pas encore vraiment opposée. J'ai appelé le père de mon fils, je lui ai dit pardon, viens prendre l'enfant. Oui, il fait des rêves comme ça ici, là, vraiment. Moi, mes enfants, viens un peu le prendre, comme ça, que je commence à chercher la maison, comme ça, en septembre, et tout. Hein? On sera chez nous. C'est comme ça qu'il est venu prendre l'enfant jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et que c'était un lundi. Non, c'était un dimanche. Le lundi, il est venu prendre l'enfant. Le mardi, je suis allée faire les courses. Toute la nuit de mardi, j'ai préparé. Mercredi, je suis sortie pour faire ma livraison jusqu'à maintenant. Je ne suis plus jamais repartie. Mes choses là-bas. Comme vous entendez là. C'est ce qu'elle a amené du Cameroun là qu'elle voulait venir me faire. Il y a quelqu'un qui est en train d'envoyer les informations là. Alors, nous, on sait que Lydie n'était pas au deuil, d'accord? Elle n'a pas vu le corps, d'accord? Oh, la sorcière! Oh, la sorcière! Oh, mou! Oh, mou! Oh, mou! La personne qui m'écrit une box, il faut venir donner les infos là, ici. On nous signale dans l'oreillette. Lady n'a jamais vu le corps de son frère, n'a même pas passé à côté. Elle buvait le vin. Elle dit que c'est le village qui a tué son frère, la personne qui va tenter, elle va tuer tous. Et si elle décède, on brûle juste son corps en France. On va t'enterrer dans ton village. On va t'enterrer dans ton village. Quel village a tué ton frère? Tu as tué ton frère. Tu as tué ton frère. Du camel sur le compte. Tu es bloqué du camel. Tu vas seulement suivre. Regardez. Il est là avec ses croix comptes pour le suivre. Yeah.
Là, tu dis que si tu meurs, on doit t'enterrer ici en France. Tu as les papiers en France. Ta mère est morte en 81, tu es née en 84. Donc, ça là, le gouvernement va te retirer les papiers. Tu vas rentrer au Cameroun. Ça là, nous, on va s'affairer à ça. La Coco Gang. Alors, dites-moi comment faire pour dénoncer ces papiers à elle. On a tout là. Sa mère est morte en 81, elle est née en 84. Donc, tes papiers que tu dis que wow, on va t'enterrer en France là. T'es pas français. Je suis fatiguée, vraiment. Ah, et les cartons et le voyage, je suis fatiguée. Hein? Merde. Tu es né en 84, ta mère est morte en 81. Tu dis que on t'enterre. Il faut qu'on. C'est à Nantes qu'il faut écrire. Oui, on va s'ancrer tout ça à Nantes. Mais moi, j'irai à la préfecture de Nantes là, moi-même personnellement. Ouais. Parce que cette femme-ci, ce qu'elle m'a fait là, il faut que je lui pourrisse la vie partout. J'irai personnellement même là-bas là. Ou faire les lettres recommandées. C'est Flore qui nous a dit que les lettres recommandées sont bien. Avec les passeports de ses enfants, tout, avec les choses que j'ai là. Oui, il va envoyer là-bas. Avec accusé de réception. Non, je ne peux plus jamais le débloquer. C'est même pas la peine qu'il m'appelle. Non, il est bloqué. Il est bloqué. Je vous dis. Bipez-moi les musiciens. Je te dis, je suis fatiguée, Françoise, ma grande soeur chérie. Il faut que je me repose. Maman, bipez les musiciens camerounais. Les musiciens camerounais, elle dit, pense, sa mère est morte en 81 et elle est née en 84. Oh, les fantômes. C'est un fantôme qui l'a accouché. Il vous. Au ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup, Mirabelle. Oh, je suis fatiguée. Allez. Merci beaucoup. Maman, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Allez. C'est un fantôme qui a accouché l'angala. Aïe, maman. Il dit que c'est le Wanda, c'est forcé, maman. Le tout, si c'est moi qui suis fatiguée, des fois, c'est vous qui... Et j'ai dit, pardon. Oui, je vais faire un thé. Laissez-moi là aller dormir, on se voit demain. Tous les Coco Gang chez Ducamel, désabonnez-vous. On doit les traiter comme ça. Voilà. Celui qui est pour que je ne récupère pas mes abonnés, vous désabonnez, c'est tout. Parce qu'ils sont contre l'injustice. Ce que je vis, vous pouvez vivre ça demain. Oui, non, je vais prendre un thé là. J'ai un thé au club de girofle là que je vais boire. Voilà, donc je salue mes tontons et mes tatas du Cameroun. Je suis contente parce que vous avez retrouvé la page. Bon, en espérant qu'on pourra changer le nom, mais bon, si le nom n'est pas changé, c'est pas grave. On s'habituera à ce nom. Voilà, donc je vous embrasse. Hein, et demain, on revient. On revient pour... une nouvelle neuvaine. Voilà, on continue. Voilà, vous voyez, tous les jours, on découvre vraiment qui est cette fille. Et quelque part, ça fait du bien parce que vous commencez à comprendre qui elle est. Oui. Hein, je t'ai dit, je suis fatiguée jusqu'à ce que tu m'as vu là, je peux m'en sortir. C'est pour aller boire quel genre d'alcool. C'est vrai que le mouvement là-bas est souvent qu'elle est. Ok. Quand tu arrives, le blanc, tu es comme au Cameroun ici. Amogaza Suewa. Za Suewa. Amogaza Niwa. Ça veut dire, petite fille, qui es-tu? Qui t'a amené ici? Donc, c'est les gars, quand ils voient une petite fille claire là, que tu es là, tu une fille claire là, que tu es là, tu danses, donc ils chantent que, mais la go qui t'a amené ici? Mais, tu sors d'où non? Tu es l'enfant de qui? Voilà, rigolo quoi. Voilà. Bon, je vous embrasse. Et merci à tous. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci à toute la Coco Gang. Merci à la vraie diaspora positive.
Merci à tous ces Africains qui me suivent de par le monde. Je sais que mon histoire devient virale et que vous intéresse. Et bien, vous voyez, ce qui m'arrive arrive à beaucoup d'Africains entre nous qui vivent ici, même en Afrique des fois. Il suffit que tu ailles vivre chez quelqu'un et que la personne voit que tu es en difficulté. Et la personne décide comme ça de te voler soit tout ce que tu as acheté quand tu étais chez elle, soit ce que tu as ramené. Juste parce qu'elle a un peu de pouvoir, elle se dit qu'elle va te voler tes affaires, on ne pourra rien lui faire. Donc c'est pour ça que moi je suis la voix des sans-voix. Cette histoire doit servir de leçon à ceux qui pensent qu'ils sont intouchables. Et mon histoire se transformera. Mon histoire sera écrite sur du papier glacé parce que je vais sortir un livre. Et je vais me lancer dans le coaching, je ferai des conférences partout dans le monde. Voilà, je devrais retourner à l'école pour apprendre à mieux m'exprimer en public. Parce qu'une conférence, c'est pas comme maintenant. Hein. Là, maintenant, je branche mon téléphone, je parle devant vous. Mais tenir une conférence, c'est, il faut acquérir beaucoup, beaucoup, beaucoup de sagesse, beaucoup, apprendre beaucoup de choses. Et tout compte, hein, dans une conférence, il y a le gestuel, il y a la façon, il y a les mots, tout ça. Donc, ça s'apprend. Donc, je dois apprendre tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée parce que vivre une injustice pareille et qu'il y a des gens qui comprennent, mais ils font semblant de ne pas comprendre. Je me dis, ben, toi et moi, tu peux t'exprimer. Et imagine ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Comment ils vivent. Donc, du coup, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour ceux-là qui sont derrière moi. Et ceux-là, ils ont confiance en moi. Ils m'observent. C'est-à-dire, ils veulent me voir aller de l'avant. Et mon combat, c'est leur combat. Et ce combat, nous allons le gagner. Ensemble, nous allons le gagner. Donc voilà. Je vous embrasse tous. Je vous aime. Et oui, je m'exprime bien, mais il faut que je prenne encore. Vous savez, l'école, hein? L'école, on apprend tous les jours. Il faut apprendre tous les jours. C'est-à-dire, ça doit être un défi personnel pour vous d'acquérir beaucoup plus de connaissances. Voilà. C'est important dans la vie. Voilà. Allez, je vous embrasse et à demain. Buona notte. Ciao.